C'est vrai qu'il y en a beaucoup là. Ouais, mais ça, tu veux une drone du coup? Sur Ouais. un double char comme ça? Et il y a quoi, 4 étoiles là, c'est ça? Ouais, une étoile. Une étoile? Ok, dommage. Il doit pas rester des groupes de 4 étoiles, je pense pas. J'ai dû être tapé. Je vais prendre les zones à fond. Plus simplement qu'il t'a vu. Ouais. Yumist, yo Sono, comment allez-vous les gars? Vous allez bien? On est pas mal monté et on va essayer d'un petit peu farmer des petites zones avec pas mal de petits des petits loot. En plus, c'est des tanks. Sympa. Yo Kirby, comment tu vas? Une chaîne HP. Ouais, ils sont assez tanky. Mais on commence à faire bien mal. Hein. C'est les tanks de la zone. Pas très mal, mais ils ont pas de faiblesse. Ah si, non, ils ont pas de faiblesse. Ah, res neutre. Ouais. Qui joue res neutre en 2024? Là qu'on aura des cacs potentiellement sur les persos de terre et tout, mais genre, moi je pourrais potentiellement. Ok, une zone ici, je punis ça, je dégage ça, hein, je pense. Oh ouais, dégage-le. Yo Mist, yo Trimmer, yo Alexandra. J'ai fait 500 vélos mystiques, 105 nats. Chapeau que festif. Bah écoute, grand respect à toi. Moi je pense que j'ai peut-être summon mercredi. Je serai dans l'émission de Shaizu, le juste proc. Et peut-être que j'ai fait une petite summon dans le juste proc. Pourquoi pas. Yo Destiny, comment tu vas? Alors. Pire, je peux les taper de terre. Je pense que tu vas continuer là-dessus. Hein. Ouais, je vais les reculer à fond, quoi. Je vais prendre les zones, je pense, quand même. Ok. Ouais, si tu fais une recul, en plus, ça va me créer une zone avec le champignon, je crois. Ouais, c'est 4. Ouais, c'est bon, c'est pas une zone. T'as grave rush dedans. Ouais, on a grave rush pour le coup. Bon, on a fait du bon 15 heures par jour, quoi. Yo Sphere, yo Destiny, yo Pirouze. J'ai réussi à avoir Robin Dark, mais c'est tout. Robin Dark? C'est quoi ça, Robin Dark? Ah, Robo Dark. Ah oui, GG ça. Putain, c'est incroyable. C'est un 5 nat, ça. Hein. Comme un 5 nat. Excuse-moi, c'est parfois je parle pas trop. Je parle à mon chat vite fait. Ouais, tu peux te... Je suis pas en live donc techniquement tu peux te mettre pour parler, t'inquiète. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'habitude. Je prends la belle zone. Je pense que je punis le champignon comme ça c'est fait. Hein. Où tu le finis? Champignon? Ouais, je peux finir. Oh, quoique, de toute façon, j'ai pas vraiment grand chose d'autre à faire. Autant que je le punisse. Ah putain, je peux pas la punir ici. Je vais finir le vent dans ce cas-là. Si je la garde. Juste le repousser. Ouais, je pense que je vais la mettre dans le vent. C'est mieux. Pas les runes pour l'instant? Ouais, mais ça va venir. En fait, Robonark, c'est très LD dépendant, quoi. Ça va vraiment dépendre de ce que tu vas dropper à côté. Ah, s'il y a des gens pour deux gens corrompus boutou. Pour Stifler, t'as commencé tard, c'est ça? T'as commencé ce week-end? Big donjon corrompu, bouffe tout. Oh, c'est trop bien de commencer l'aventure, t'as des bouffe tout et tout, c'est. Ouais, c'est un peu le truc emblématique de d'Ofus. Bien le tempo là, ça te fait plaisir de jouer toi avec ça? Ah, franchement, ouais. Au début, je me suis dit, j'espère que je vais pas me sentir un peu piégé, tu sais, dans l'aventure. Ouais, je. Mais aussi. Tu l'as, t'as eu cet effet là aussi? Bah, ça m'est déjà arrivé. Alors, quand tu vois qu'un temporis il va être à chier, ouais. Je suis là en mode oh putain, ouais, exactement, exactement. J'ai eu peur d'avoir ça avec celui-ci, mais finalement ça va. Puis j'ai aussi peur avec le poignet, j'ai mal au poignet pour ceux qui savent pas. Ouais. J'avais déjà fait un tweet, peut-être que vous l'avez vu. Mais je pensais avoir une tendinite ou autre, je me suis dit merde, pas une tendinite quoi. Parce
que quand tu commences les tendinites, c'est fini quoi, c'est FF. C'est full complication sur complication sur complication. Mais apparemment, ça a l'air d'aller. Aujourd'hui, ça a fait un... j'ai ressenti une petite douleur tout à l'heure, mais ça va. Gaffe à Anacorette, hein. Ouais. Alors, tu sais que là, on, potentiellement, on va bien grailler, hein. Ah ouais. Bah, je pense que... je pourrais pas pu, donc je vais faire ça comme ça, hein. Ah, quoique. Ouais, lui, je peux. Ok. Ça prend le cher des poisons, là. Yo, sapin, t'es foiré dans le titre, c'est cinquantenaire. Comment ça? Comment ça, sapin? Tu veux que je continue à t'appeler sapin, c'est ça? Robodark avec Pontos, ça peut être cool. Y'a pas vraiment de synergie entre Pontos et Robodark, pour le coup. En fait, tu peux jouer main gauche, ça va. Oh, non, c'est clair. En fait, c'est parce que j'avais fait un mini rush Diablo 2. Avec Emso, juste avant de faire ça. Et en vrai, Diablo, pour le coup, c'est... ça prend pas mal d'énergie dans ta main, pour le coup. Faut full cliquer tout le temps. Faut full spam click. Allez, vrai. Ouais. Ouais. On veut de la voile d'encre, on veut de la sandale Kimbo, tout ça, là. Vous allez voir, les gars, le drop qu'on peut loot sur le Temporis. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a? Dora Lovelace. En retard, ça va être plus simple. Ouais, j'avoue. Ah, c'est fou qu'il y ait quand même les... on a pas eu les items HL. Ah, j'ai eu Chapignon, Caprin. J'ai eu double Capignon, donc la feu. Chausson Pignon. Ah ouais. J'ai pas eu de Dag Dragueuf par contre. J'ai une épée Dragueuf. Bah, les runes que ça a à faire avec ça. Ah ouais. Bah, est-ce qu'on vendrait pas on plutôt peut les vendre aussi. On se fait des camas avec ça. Vas-y, on le fait celui-là. Yo Xo, yo Batman, comment tu vas? Oh. Yo Zero. Ton arc multi-gaming commence cet été du coup? Pas spécialement, je le fais chill. C'est vraiment une aventure que je voulais faire un jour au moins. Je sais pas si j'en ferai énormément des Temporis, mais je pense qu'en plus je suis vraiment bien tombé par rapport à la qualité du Temporis. Et merci beaucoup Carpet, et merci beaucoup Batman pour les subs, c'est plaisir. Comment allez-vous? Yo Zang. T'en es où toi Zang? Tu fais l'aventure ou pas? T'avais l'air de bien t'y connaître. Ok. Ah, il est vraiment stylé hein, pour le coup. Il est vraiment stylé le Temporistra. Apparemment le 2 était un peu flopesque. Ouais t'as chier. Du coup c'était que les bugs hein. Le concept était pas mauvais. Le concept c'était ok, en fait c'était un RP avec des cinématiques et tout. Et du coup c'était pas mauvais comme concept, c'est juste que vu que les cinématiques ça a jamais été implémenté en jeu, bah ils les ont mis que pour le Temporis. Et on est quand même sur un jeu qui est sous Flash. Ouais, c'était pas prêt quoi. Et des devs sous Flash aussi, non. Et du coup faire c'est un peu complexe quoi. Il était full buggé, incroyable. On peut pas drop voile sur ce tempo, sur les mobs THL type Fungus Grow, probablement que sur Krala. Ah ouais? Bah si, on peut. Bah c'est écrit qu'on peut? Ouais, c'est écrit qu'on peut. Bah apparemment pas. Je pense qu'il a... Mais comment il sait? En vrai, je sais pas comment il fait, mais ce mec-là, il est PGM sur tous les jeux, donc je le crois. Vraiment, à chaque fois qu'il touche un jeu, il s'y connaît. Du coup s'il me dit qu'on peut pas le drop, je le crois de fou. Non mais ça voudrait dire qu'il en a tapé tellement qu'il n'a jamais droppé et qu'il a considéré que ça tombait pas. Non, à mon avis, il a dû regarder les streams pro team et ça c'est celui-là ou je sais pas quoi. Parce que pour le coup, sur Rush Hour, tu peux les avoir, d'après le site. Et eux, ils ont sûrement été minés l'info, quoi. Je sais pas. Ouais, on regarde ce Rush Hour, ouais. Yo Luc, yo Aurélie. C'est sûr qu'ils sont allés miner l'info. Le Krala, c'est pas le bordel à ouvrir bah, je sais pas comment ça se passe sur le Temporis pour l'ouvrir, le Krala. En général, c'est la façon classique. Ok, donc faut être genre 40 ou je sais pas quoi là. 42. Enfin, 12. 24. Enfin, chaque classe
homme, enfin femelle et mâle. x2. x2. Ok. 48. Yo Val, comment tu vas? Yo Aurélie, enfin du coup je t'ai déjà dit bonjour mais... T'en es où toi Aurélie? C'est après 2 ans d'arrêt, je me rappelle de quelques strats, mais je suis perdu avec le Temporis. Ouais, en vrai ouais. Et moi il y a 2-3 trucs que je connaissais pas du tout. Genre Illizael, j'ai jamais tapé. Illizael c'est un mob, il tape très fort, mais si tu leur as le PO il fait rien. Oh bah du coup... Si... Du coup c'est juste fine, que s'il arrive à te choper en Diago... Je pense que c'est pas PO modifiable. Roi. On restera en ligne et basta. En vrai, non, ce qui est important surtout contre elle, c'est le de se cacher des lignes de vue surtout. Ok, carré. Et en fait, elle a 4 mobs avec lui, avec elle. Qui tape genre giga fort. Il y a un Yop, un Kra, un Enu. Et là, je sais plus c'est quoi. Et ils font méga mal et tout, donc faut les tuer avant de tuer Illizael, etc. Ok. C'est un combat assez strap. Alors, on va voir si on finira par le dropper, hein, ce voile d'encre. Ah, Dagmadin, t'as vu Dagmadin China, je sais pas ce qu'elle prend déjà. Ah ouais? Ah ouais. P, peu... magie, vita, crit. Ouais. Yo Kissy, comment tu vas? Pas de groupe ici? Ah non, putain. Ils popaient pas chez moi? Ah putain, c'est champion. Non, ils ont spawn parce qu'on est arrivé sur la map. Je pense qu'on est les premiers qui sont allés sur la map. Ok, bah du coup, c'est un archi, c'est un peu chiant. Oh putain. Ouais, c'est un peu une lucky. Oh putain, c'est le pire. Vraiment. Ouais. Bon. Ça va être relou. En plus, il me touche là. On a beau double chal par contre. Good luck le Tanu. Non, on l'a déjà passé, le Tanu. Ah. Yo, Melakit. Trop bien de pouvoir répondre ça. Ouais, de fou. Yagi, elle arrive en mode bonne chance hein, pour le Tanu. C'est fait. Mais c'était pas simple, putain. C'était vraiment pas simple. Je vais quand même le punir. Le combat était chaud. Bah c'est le seul où on a mis vraiment beaucoup de tentats. Hein. Parce que tout le reste on a presque tout one shot tout le temps. Et c'est lequel qu'on n'a pas one shot à part le Tanu? J'ai l'impression qu'on a tout one try. Hein. Réfléchis. Le bouton on l'a tout try au tout début. Ah tu dis all time? Ouais all time. Si je crois qu'on a fail d'autres à mon avis. Le DC on est mort non? Ouais, au début, mais on savait pas que ça se... Il y avait pas de dispel. Parce qu'en fait, visuellement, on voyait un dispel, on avait plus le debuff. Sauf qu'en fait, on l'avait encore. C'était un peu dur à voir. Oui, on est... Mais bon, sinon, c'est le seul, je pense. Je pense qu'il y en a d'autres, mais... Attends. Non, on n'a pas de drop de DDG, pour le coup. Mais on va probablement devoir y retourner. Sinon, Archoto, on est mort une fois. Non, on est pas mort, hein. On a 3 first try, c'est juste un. Non, on a first try, c'est juste qu'on a mis genre 20 tours quoi. Rasbou c'était bon, Pandikas c'était good. Rab, Rakmar, Bonta c'était bidon, sa mère. Melou on l'a fumé. Non, je crois qu'on a tout first try après. Hein. Ouais. Ouais. Yo, Arcanote, merci pour Flo. Bien que combat dur pour ce temporis. Ah non, mais bien sûr, hein. Je suis pas en train de me plaindre que c'était trop dur le. Le Tanu couille. Non, c'était chouette parce que justement t'as un chouette sentiment quand tu le bats finalement tu vois. Si tu one shot tout, bon bah. Voilà quoi. Ah oh, l'archi était pas si chiant, il a juste tanké 1000 ans. Ouais c'est fine. Je régène un peu, au moins je fais mon kill. Je donne la PO.
chaud. Est-ce qu'on les perma sous boost PO ou non, il y a des tours à vide? Il me semble qu'il y a deux tours à vide, un truc comme ça. Non, il y a un tour à vide. Ah non, toi t'en as deux et moi j'en ai un. Tu vois, c'est 5 tours pour moi et 4 pour toi. Ah quoi que, parce que c'est moi qui le lance, c'est peut-être normal en fait. Au final. Ah oui. Parce que c'est un autre système sur Touch, je pense. En fait, sur 2.0 et Retro, la différence c'est que, par exemple, tu vois, quand il te reste un tour, dans ta barre là... Ouais, mais c'est ce que j'avais essayé de te dire hier quand t'avais pas compris là. Ah, quand il reste un tour, ça fait que tu l'as dispo à ton tour. Alors que sur Touch, c'est au moment de ton fin de tour que ça avance. Ouais. C'est un peu différent. Je vois. Yo, Nero, quand tu m'as dit un truc que j'avais pas capté. Ouais. J'avoue que je m'étais un peu exprimé pour le coup. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai dodge. Moi, j'ai pas tenté d'expliquer plus longtemps. Ouais, tu vois, les deux, on a eu la flemme. Ouais, vraiment. Surtout qu'on était en plotin des couilles. Bon. Ouais. Nick. FF. Ah, une petite zone sympa. C'est quoi, c'est PM lui? Ah, c'est le champignon qu'il a donné, ok. Là, je peux tuer le champman. Ouais. Et non, je faisais la corette. J'ai eu peur d'aller à ton gag. Par contre, faudra que t'en tues un, mais c'est... ça devrait aller. T'as la grosse explo maintenant? Ouais, j'ai la giga explo. Franchement, c'est game changer. Hein. Bah ouais. J'ai un peu farmé les rats de Bonta et tout là en solo. J'ai one shot tous et sur des zones de fou, x2 et tout. Je prends les 2 millions d'XP en 10 secondes, n'importe quoi. Honnêtement, je pense que si je veux rush 200, là je le fais en... ce soir. Hein. Avec les double chal et tout. Moyen, ouais. Ah, 200, il y a quand même 3,5 milliards à faire. Peut-être pas 200, mais tu vois quoi. T'as capté. 200. T'as capté. J'ai des 200 là, pas tellement. C'est vrai. J'ai pas dosé. Yo, Circa, quand tu as. Tu penses qu'on aura besoin du 200 pour tout passer? Non. Tu penses 199, ça sera assez? Bah, 199, c'est l'avantage, c'est que tu peux mettre tous les items du jeu. J'avoue qu'on n'a pas encore drop de voile dans le grain. Peut-être que c'est plus rare, peut-être qu'on peut vraiment pas le drop, je sais pas. Bah, je pense que sur Rosh Hour, tu sais, on voit bien qu'il y a une. Des items, certains items qui sont par pack, tu sais. Et là, sur les Fungus, ils ont mis les packs 180 plus et les packs 200, tu vois. Ouais. Je pense que le pack 200, il n'y a pas. Okay. On a droppé ni de Kim, ni de Rambouton, ni de voile d'encre. Ouais, c'est peut-être que pour des. Je pense qu'ils y étaient au début. Au tout début, tu sais. C'est pour ça qu'il y a eu des Rambotons. Ah ouais. Et ils ont dû les enlever après, tu vois. Ah, c'est possible aussi, ouais. C'est possible aussi. Yo le mal, quand tu as. Ouais, je suis en full team CMT3. C'est du full T3 ici. Limp T3. Et du coup, ouais, j'ai anneau 30 Intel. Du coup, est-ce qu'on retourne à Fungus? De quoi? Voilà, tu vois. Est-ce qu'on retourne à Fungus du coup? Bah après je me dis que tout ce qui est genre tumouche, pignon et tout, ça peut être pas mal pour nous, non? Tu vois, on peut assez vite faire du T3, j'ai l'impression ici. Hein. Ou alors on enchaîne juste des Ouga ou je sais pas quoi. Après Ouga, ce sera des salles de 8 quoi. Je pense pas que je vais jouer ça. Hein. À moins que je joue full sous bois. Sinon on fait des burkers et on se met full harnage, je sais pas quoi. Peut-être moi j'aurais besoin du harnage. Je pense pas qu'on a besoin d'un stuff de transi. Hein. Tu penses qu'on fume tous les donjons avec ce stuff là? Il y a moyen qu'on ait besoin de 5000 HP quoi. Ouais. Bon, attends, je réfléchis. Ah, le temporis c'est trop bien. Bah, attendez, je vous montre à quoi ressemblent les items. Regardez, on a 100 intel, 100 force, 15 pp, 35 puissance, 15 dos, avec presque 500 HP, des restes de fou furieux. Ici, pareil, presque 500 HP sur l'item. Des dos, de l'intel, de la force, c'est trop bien. De l'over intel à 90 ici. Les bots sont plutôt stylés aussi. Et ça, le T3, il baisse clairement. Il baisse clairement.
puissance, j'ai déjà full panneau CMT2 là. J'ai panneau pas. Ah, t'as pas le level. Ouais, en vrai, t'as quelle classe toi, Matman? T'as refait un cra? Dofus, elle peut réinférencer. Il faut pas se mettre en Dofus, Dofus rétro? Non. 7ème. Dofus. Là, je suis niveau 154. Excuse, j'ai lancé un groupe de. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je qu'on se casse d'ici du coup. Bah je réfléchis, genre je me dis c'est quand même bien en termes de runes, en termes de stuff et tout, c'est quand même pas dégueu. XP ça pue un peu parce que les combats sont trop lents. Après XP on s'en fout, ça va se faire tout seul dans les autres gros pions en fait. C'est vrai. Vraiment pas important ça. Bah en vrai l'XP est quand même pas dégueu maintenant je trouve. Vu que si on prend ce stuff là jusque je sais pas combien de temps... Non, je sais, mais je veux dire, quand tu verras, quand on va faire les zones corrompues, tous les deux combats, on va up, en fait. Ouais. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin des zones corrompues, du coup? Ah, ah quoi oui. Que ça fait full Kama, quoi. Bah, ça fait potentiellement des items de fou, aussi. Ouais. Et il nous faut les clés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Jeune trentenaire, c'est un oxymore. Bah écoute... tu veux. Moi je dis que c'est jeune. Yo. Et yo. À fond quoi? Et vous? Bah écoute, okay. ça va. Merci beaucoup Snake pour le Prime. Je portais bien. Ah, tu vois, je pense qu'on peut faire T3 assez vite ici. Hein, surtout si on est à 4 quoi. Mais est-ce qu'on a besoin? Ça, je sais pas. Bah, je vois pas quel panneau je pourrais mettre en fait. C'est-à-dire que je dois choisir un élément. Je suis plus terre haut, je suis haut ou terre. C'est vrai qu'il n'y a pas de trop de double panneau. C'est chiant de perdre un élément. C'est du mono LM, j'ai lancé un combat. Ça rend du mono LM cette zone. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Alors ça peut être bien, mais. Je sais pas. Sinon, on se fait deux panneaux et on change selon les donjons, mais c'est peut-être un peu chiant. J'aime de faire le chalet trop long. Peut-être qu'on n'aura pas le choix, je sais pas. Faire deux panneaux, un. Wow. Bon, en vrai, vu comment ça drop, ouais, on pourrait, mais. Je crois que je me fais une tranche sous bois, une panneau sous bois et tout, là. Pff, oh, la flemme. Et ouais. De toute façon, on n'a pas le level requis pour la sous bois, là, si. 189 ? Non, 179 ? Mais c'est juste que c'est le prochain stuff, tu vois. Du coup, si on. C'est la tranche, quoi. Si on farm déjà, c'est. Pas mauvais non plus, ça dès qu'on y est on l'a quoi, pour l'équipe. Ouais, et comme ça on XP en même temps, enfin tu vois. Mais en même temps si on compte pas jouer ça, c'est peut-être un peu de la merde. Triple tot, full... Ouais j'ai un stuff à la limite qui pourrait être pire. Donc Zell full haut du coup. En fait c'est la tranche du tot donc pourquoi pas tu vois. C'est vrai que le tot il est pas dégueu. Écoute dans le doute je vais récupérer tous les sous-bois et on verra si j'en fais quelque chose. Quoi. Ouais. Y'a un stuff full terre avec ou pas? Bah, c'est ça, ouais. Regardez. Stuff full terre 180, bah ça doit être avec les chevelus et tout quoi. Je te laisse tuer. Ouais, full terre, c'est du plus. Peut-être c'est peut-être la prochaine zone, non? 180 à 200, que tu peux mettre du full terre. Ouais. En vrai, si je me fais une panneau, ça sera elle. Ce sera la full haut. Mais bon. Ouais, le Kitsu est passé hier. Il est passé. On a mis quoi? Une dizaine de tentatives, je pense. Mais là, depuis ouais, que j'ai passé les sorts. Depuis que j'ai passé les sorts niveau 5, en vrai, je tabasse même avec ma panneau A. Donc, je sais pas si je change. Mon seul point faible, c'est ma HP, genre j'ai 3200 contre 4500 de VK, tu vois. Mais bon. En fait, faut qu'on teste les dojos 180. Et si on se fait gifler, bah ouais, on va devoir se restuff, quoi. Ouais. Ça va être ça, plutôt. Je pense, ouais. Au moins, on pourra déjà assez vite tenter les donjons. Hein. Oui. Parce qu'on va pas vraiment avoir des big upgrades, hein. À part les levels. Ça sera juste de la vita des levels, quoi. C'est ça. C'est pas non plus une grosse. Ouais, parce que les sorts, on gagne rien, donc. Ouais, non, on peut, techniquement, on peut déjà tester. Hein.
On va attendre Noza. On va tester le Shenmue après, je pense. Dès que Noza il est là, on va tester un Shenmue. Moi, il faudra juste que j'aille faire vite fait pour aller chercher mon chat au veto. Ah oui, c'est vrai. C'est rien de grave ? Bah, il sort d'une double opération, donc... Ok, ok. Il a quel âge ton chat ? 12 ans, je crois. Ah, quand même. Yo Cheese, quand t'y a ? Ok. Et son chien avec la raise. Ah, mais ils font rien. Quand tu vois ton titre, c'est que t'as 22 ans. Ouais, non, on sait, mais. Parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai 30 ans, et du coup, c'est pour faire les rageux, tu vois. Est-ce que mine de rien, là, t'es en panneau 113, c'est ça? Comme ça? La A? 114, ouais. Mais elle a vraiment des stats de fou. Hein. Ouais, non, c'est clair. Elle a vraiment des grosses stats, donc elle est quand même un level en dessous forcément de la Shenmue, mais pas 2-3 levels, tu vois. Genre elle est... Elle stap, quoi. Ouais. Surtout elle est en double M, quoi. Ouais. Elle est juste parfaite pour toi. Ouais, non, elle est vraiment nickel pour moi. Vraiment. Je pense sur une cystotomie. L'expert. T'as poker, ouais, c'est juste. Ouais, non, clairement. On va voir. J'aime bien taper terre en vrai, c'est quand même pratique. En zone et tout, là, le frappe du Xelor, ça. Ça envoie du steak. Hein. Ah, ce qui est bien, c'est qu'avec la haute, t'as le double élément, t'as le choix, et surtout, t'as de la régène, quoi. Ouais. Là, on a eu aucun truc de sang dans tous les cas, hein. Je pense qu'il y a vraiment pas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tranquille, hein, ça. Ça, il va pas tarder, non? Ouais, je crois qu'il a dit qu'il est lancé dans 10 minutes. Ready soon, je lance un stream dans 10 minutes max à 16h09. Ouais, il est à 15 minutes. Non, il est pas encore en stream. Logique. Il est à 15 minutes. Et merci beaucoup, Rinka, pour le 7ème mois, je suis très bien. Yo les boss. Et en plus, ouais, on a les full Dofus là. On est vraiment en 6 Dofus. J'ai aussi le Ivoire, mais je pense pas avoir besoin par rapport à ça pour l'instant. C'est bien qu'on ait accès à de l'ocre. L'ocre, c'est après cette tranchie? Je sais pas. Je sais pas du tout. L'ocre, c'est 180, ouais. Ouais, ok. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que. D'ailleurs, il y avait Nox qui m'a demandé ça. En fait, en gros, on demande à des mecs qui ont. Dès qu'on est sur 80, si on est sur 80, avant d'avoir passé les paliers, hein, ce qui est. Il y a peu de chance, mais. Ouais. Parce qu'un mec qui a passé le palier, il nous achète un ocre et on peut l'équiper. Ouais. Ivoire veut émeraude en vrai, surtout en farming. Ouais, mais c'est pas très grave là pour l'instant. La PO en moins. Genre, je fais déjà presque toute la map. Ouais, c'était un peu par flemme de changer, mais je suis d'accord avec toi. Même en vrai, je devrais mettre le palier. D'un tel, on se voit. Un truc comme ça. Vas-y, on viendra farmer après. À 4. Tu veux qu'on aille faire quoi là? On va attendre nos ailes. Hein. On va monter nos métiers de. En fait, faudra que tu théoricraft ton stuff 200. Ouais. Comme ça, qu'on ait les 4, notre stuff 200 théoricraft. Qu'on puisse savoir les 4 métiers d'armes à monter. Ouais, j'avoue. Avec un peu de chance, on en aura que 3 à faire si on a deux fois le même item. Moi, c'est un arc, donc je vais devoir monter arc dans tous les cas. J'espère que bâton, on l'a pas monté pour rien. Le bâton, on a même pas cherché à comprendre. J'aime bien que tu m'aies fait un anneau, Coco. Ouais.
Arnage, c'est... je sens un tel, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un monde où la CM, c'est ce que je garde, hein? La CM, ça tape très fort, hein. Ouais, c'est le seul truc où j'aurais mon double élément plus vita et tout. Jusqu'à la panneau, Burker, Gladiator. En fait, le truc, c'est que c'est full intel, quoi, ça. Enfin, c'est chance aussi, mais... Mais je perds ma voix terre, quoi. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Après, la Destru, il est vraiment aux F. Et la Pso, est-ce que j'ai vraiment besoin de la sustain? Mais là, tu gagnes rien par rapport à ta CM sur un casse-carnage. C'est vrai. Mais sur la panneau... Il y a presque autant d'intel. Tu gagnes rien. Enfin, je pense vraiment qu'on peut la 59-200, hein, cette panneau de CM. Yo Fly, quand tu as. En fait, je vois pas trop quoi d'autre je mettrais à la place. Ah, pour la PP, mais... En vrai, si je suis capé entre guillemets stuff, on a plus vraiment besoin de PP. Je sais pas. Et de base, j'ai l'impression que ça tombe bien dans tous les cas, tu vois. On a les bonbons PP aussi. Ça en est où? Pour l'instant, on a passé les 150. T'as dit quoi, pardon? On fait des stuff, c'est pas pour la PP, c'est pour les dégâts. Ouais, non, clairement. Dommage à max. Ça en est où? Mais du coup, on est au donjon 150. Je me suis un petit peu mute, comme ça, ils m'entendent pas. On est au donjon 150. Et donc là, maintenant, on attend Noza pour passer au 180. Et je pense qu'on va directement les tenter. Parce qu'en soi, on a le stuff qu'on veut pour le 180, quoi. Donc le seul truc qu'on peut gagner là, c'est entre 20 et 30 niveaux de x5 vita, quoi. Ce qui est pas non plus insane. Donc autant tenter, quoi, je pense. Un drop Groa, est-ce que ça peut... Est-ce qu'on peut me dire ce que ça vaut? Groa, c'est... C'est la Yennefer Dark, c'est ça? C'est quoi comme LM déjà, VK? Feu de terre. Ah ouais, feu de terre. Feu de terre, ouais. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien. Hein. Bah, c'est soit ça, soit j'abandonne la terre, quoi. Mais il faut que je puisse gagner pas mal en partant full intel. Tu gagneras, tu gagneras surtout la vita à mal. J'en serai à 5000, 6000 vita. Mais en vrai, par la suite, si tu as full terre, ça peut guérir. Hein. Ouais. Mode full abso. Dans les games, les gens jouent terre. Hein. Sur XM. Okay. Sur les gros donjons, ils sont terre. Hein. C'est le même genre de sort non. Là, on a une punie meilleur élément et tout. Hein. Parce que sur XM, j'imagine que la punie, elle est terre. Oui, c'est pour plein de raisons. En fait, c'est pour là, en fait, le seul truc que je gagne, c'est l'abso. Hein, parce que la destru, c'est au safe tier. Hein. Donc, je gagne la sustain. Mais est-ce que j'en ai tant besoin? Sachant que le panda peut me porter, etc. Non, t'as pas besoin. Le but, à la façon, à terme, le but sera plus de prendre de coups, parce que je pense que les coups qu'on prendra... Mais tu vois, s'il y a toujours des salles comme le Tanuki, où genre on se tape des mobs qu'on n'a pas le choix de se prendre dans la gueule... Illizael, on peut esquiver tous les dégâts si on joue bien. Kutan, on prendra dans la gueule. Genre Kutan, ça fait partie de donjon. Le T1, tu le manges. Ah, il faut tanker, quoi. Le T1, tu le manges. Je pense qu'il faut que je parte sur un full intel, hein, à mon avis. Et au pire, on se met des baquetterons si vraiment il faut qu'on s'il. Et après, il y a le Pekigaru, les gars. Pekigaru, on sait pas, mais ça se trouve, c'est un combat, les gars. On va galérer sa race. Le Pekigaru. Ah ouais. On va voir, hein. Bon, j'avoue que j'ai jamais fait ces persos. Enfin, les Kitten, Isael, jamais fait. Bah, tu vas kiffer, c'est des gros donjons stylés, mais. Ça va être cool, ouais. Bah, de base, c'est là que tu drops l'ivoire et l'ébène. Ah, c'est la light. C'est une 4 étoiles, du coup, ça. C'est pas incroyable en vrai. Ah,
Ah mais c'est la Triss. C'est la Triss Light du coup. Si c'est la Triss Light, ouais, c'est genre des offenses arènes et tout, mais ouais. Peut-être tout ce qui est tour, light, des Tewa et compagnie. Sinon, ouais, voilà quoi. Merci beaucoup, allez, pour ton prime. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, frérot. Et bienvenue. Bienvenue. Là, en soi, on pourrait peut-être faire des petites ventes. Mais en même temps, j'ai envie de garder au cas où on garde, tu vois. Est-ce que je pourrais faire une sorte de double panneau, worker plus tu mouches ou je sais pas quoi. Je voudrais quand même pas mal de vita en plus par rapport à la ACM. Je perds la terre, mais je suis pas sûr d'avoir besoin de la voie terre. Et au pire, on joue avec deux baguettes ronds, je sais pas. Je pense que ça va peut-être pas être si mauvais que ça. Avec Rika ou j'aurai le feu, c'est pas foufou. Par contre, avec Asima, banger. Ah ouais, à ce moment-là? Après, Asima, j'ai l'impression qu'elle se suffit à elle-même, tu vois. Dans les moments où elle est bien, tu vois. Après, ouais, pourquoi pas, hein. Carrément. Il en est où, Noza, du coup? Il a lancé. Ok, ouais. Ok. Je suis en deuxième mi-temps, là. On va faire son intro et tout, et après on y va, hein, je pense. Oh, il y a 2-1, ça vire, non. Est-ce qu'on a toutes les clés des donjons, là? Moi, j'ai Sphincter, j'ai Shenmue, j'ai... Je pense que j'ai tout. Il y en a 5, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, juste pas beaucoup. Ouais, il y en a pas beaucoup. Donc si on se fail, il faudra faire les zones. Il y a une invasion en 21 minutes. Au pire, on fait ça, hein. On fait l'invasion dans 28 minutes, on se prend 2-3 levels, 2-3 clés et on y va après, non? Anoza, il a son stuff. 200. Ah, ça va être chaud, hein. On verra. De toute façon, on n'a pas débloqué le niveau pour les prochains stuff, donc... Ouais, non, c'est clair. Moi, on fait l'invasion dans 21 minutes et on fait un peu d'XP et puis on tente les donjons, non? Oui, non, peut-être? Ouais, c'est juste, je vais expliquer un petit peu, quoi. Faudra commencer à essayer l'invasion ensemble. Yo! Ah oui, tu vas pas... Ok. Yo. À fond, quoi? Ouais, écoute, c'est bon. Je suis enfin prêt. 16h34, j'ai les... parole de VK d'hier soir qui traîne dans la tête, genre les gars, pas 16h quand même. T'inquiète. Ouais, t'inquiète. Non, au moins, t'as bien dormi, c'est ok. J'ai dormi 7h. Ça va. Ça m'a pris un peu de temps de faire les vidéos et tout ce matin, j'avais pas la foi là. Quand j'ai ouvert les yeux ce matin, j'ai scroll Twitter, j'étais en mode. Et du coup, ce qu'on proposait, c'était genre dans 21 minutes faire l'invasion, on fera probablement son logis, on se prendra quelques clés, quelques niveaux. Et puis on tente les donjons avec toutes les clés qu'on aura. Ah ouais, cache toujours 180 comme ça? Ouais, je pense. En fait, ce qui se passe, c'est que on va pas vraiment avoir d'upgrade, à part les stats des niveaux. Des level up, ouais. Et comme ça, on tente, quoi. Ouais, tous les bons stuff, c'est après le 180 jusqu'à 200, donc... Ouais, je suis d'accord. On garde pas grand-chose. Ben, je vous suis. Bah là, l'invasion, c'est dans 20 minutes, donc on a de quoi s'occuper. Peut-être monter un là, petit peu... on a 20 peu... minutes. Vous êtes ouais. En train de taper quoi? Moi, faut que j'aille prendre mes niveaux. Je vais peut-être farmer solo si vous êtes pas chaud, sinon je vous rejoins. Où vous êtes? Moi, j'ai un petit peu monté, je pense. Ouais, on peut XP en vrai. Je vais farmer solo, je vais taper des autres, un truc comme ça, moi. Ok, on va se faire des petites zones solo, pire. Vas-y, je farme des autres en speed. On a 20 minutes. Oui. Barakmar. Barvalet, Barakmar. Hop. Je vais faire des rats, moi, je pense. Ah, j'ai pas le droit d'aller dedans. Oh, Aura, t'es bien. Ça fait pas mal de runes ou pas en vrai? Là, franchement, oui, hein, parce qu'en fait, t'as les pelles, ouais. T'as les Kamasutra, t'as les Tofufu qui en plus se vendent bien pour le coup. Ça, je me fais des Kamas avec. Ouais. Ah, les Tofufu, ça se vend encore? Ah, ouais, c'est genre 20 000. Oh putain. Et ça part tout de suite, hein. Ah, ouais, t'es bien. Sachant que tu les farmes en 8 secondes. Après, je me fais pas full Tofufu, hein. C'est quand même assez rare. Mais ouais. Mais ça arrive. J'ai pas la bonne scène. Par contre, il y a tellement d'items qu'en 3 secondes, je suis full pod, hein, mais... Ouais, normal.
130, 109, 139. Incroyable. Incroyable ce personnage. Ah, pardon, j'ai mon bon du sage là-dessus. Ouais, bon, tant pis. Accept. Tac, tac. Merci pour follow, Illy. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux essayer de vous répondre. Je suis pas un expert, mais je peux essayer. Ok. Hop. Il manque des haches. Oh, feuille de printemps. C'est joué, ça ou pas, tu crois, sur le serveur, en vrai. Une belle amu. Une très très belle amu, la feuille de printemps. On verra, je devais tout le reste, je peux briser. Parce que je veux. Ils sont avec qui, Tulip et Squaz? Je vais leur demander. Tarn. C'est quoi? Sadida, plus je sais pas quoi, ils ont peut-être une team déjà. ZK. C'est que c'est normal que je drop ma sixième Martina et donc c'est la troisième en 4... Mais t'as encore drop une Martina? Attends, mais t'invoques combien de LD par jour aussi? 15. C'est une dinguerie ça. Cook. Let's go. Ah oui, ils sont niveau 90. Ah oui, ils sont mignons. Et t'es pas à Lyon toi, numéro 1? Tu fais pas le truc à Lyon finalement? Let's go. Ils sont mignons. Hop. Ah, c'est ultra agréable de farmer ici. 500 000 XP, parfois c'est des petits 2 millions avec des étoiles, des bons tchals. J'ai raté quoi? Focus, ouais, c'est un peu con de ma part. Les étoiles reviennent vite, j'ai l'impression. Je suis pas avec vous, du coup, je respecte pas les tchals. My bad. Je check la clé. My bad! Comment ça, mignon? Vous êtes mignon. Un petit summon geste après avoir clear les TOA. Ah ouais, il a déjà eu ça. Parce que critère level 90. Sans turquoise. Porte le skin est cool. Pas d'appli champion. Critère. Un skin. Ok. J'aime bien. Mais tu veux l'attaque mortelle. C'est sûr. Le donjon 120, on l'aura roulé dessus. Vraiment, on a roulé sur les donjons. Depuis cette nuit, quand j'étais raid. On a tout first try, je pense. 120. Ah Coco, trop chargé. Ouais, sauf le dragon cochon, si c'est un 120. Merci, Exo. Je sais plus si Dragon Cochon c'est un 120 ou un 90. Il y a des gens qui étaient là pendant le raid. Allez, Dragon Cochon, on a perdu pour le coup une fois. Je me demande. J'ai un empêchement de dernière minute cette semaine qui m'ont pégé. Ah merde. Ah c'est chiant ça. J'avoue que c'est chiant. C'est un peu relou. Bah, DC c'est 120, on est d'accord. Pas droit de crit, par contre. Bah DC, on a... disons qu'on a une surprise pour le DC. T'as vraiment fait l'aller et le retour? On a une petite surprise. Et j'avoue qu'on s'y attendait pas, et en plus on s'est un peu fait avoir par une sorte de bug visuel, pas te mentir. Un petit peu relou. Attends, mais c'était il y a combien d'heures? C'était genre il y a 10 heures, plus de 10 heures? Sans le bug visuel, je suis pas sûr qu'on mourrait, mais bon, facile à dire. Ça c'est l'LD, j'ai eu le HOH de ce week-end. Ah merde. Ouais, je pense que j'ai fait une petite mini-summon au juste proc, mercredi. Et Coco il fait quoi? Enfin quoi? Là je forme de l'XP en gros, et des runes PA. Allô? Je sais pas trop ce qu'il fait Coco. T'es en stream avec un? Ah ouais, je suis en stream. Ah ok. Putain, je me mute de temps en temps pour parler un petit peu mon chat. Vas-y, j'avais un bout, je le ferai aussi. My bad. Mais ouais, du coup, je farm XP, parce qu'en vrai, c'est des salles très 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 rapides, XP correct, je peux one-shot les mobs, si j'ai les bonnes maps et tout. J'essaie de farmer les étoiles, les groupes avec des étoiles, et surtout ça me fait pas mal d'items PA. Du coup, ça me fait des petites runes PA, et je me dis qu'après, je ferai des exos, donc... Tu vois, j'ai une vingtaine de gap PA, j'ai aussi la gata PA, que je mettrai probablement, je sais pas, peut-être si j'arrive à avoir un voile d'encre ou je sais pas quoi. Ça c'est sûr que je vais exopéa si j'ai un voile d'encre. Mais on verra. Saison RTA, il y a un monde où... En fait ça dépend de quand on finit le Temporis.
Je pense que si on finit le temporis assez vite, il y a un monde où je tente de faire un classement final. Mais à mon avis, vu que c'est un rush de fin de saison, que je suis pas très habitué avec la draft et tout, à mon avis, ça... Je sais pas si je vais G3, on verra. Je sais même pas combien il faut environ viser pour ces G3 là. Même si je visais un peu plus haut à la base, mais c'est vrai qu'il y a eu le rush au final. Là, écoutez, Steph, ouais, je vais clairement la garder. Hein. C'est insane comme drop. Hein. On l'a eu sur le Rasboul, je pense. De mémoire. Non, je sais pas si j'ai 3 là. Je pense qu'à un moment je l'étais, mais j'ai retag pour tester la compo. Mais peut-être que ouais, je referai un petit peu d'RTA fin de saison, for fun, en mode gatekeeper. Et toi, je suis content. Ça a mal fini, là c'est en niveau chal. J'ai toujours 1. Depuis la dernière fois que tu m'as demandé, j'avais 0. Je suis passé à 1, du coup. Là, je suis toujours à 1 depuis. J'en ai pas raté, mais maintenant que tu viens sur mon chat, il y a un monde où j'en rate 1, évidemment. Comme d'habitude. Il y a un monde. Après là, je suis en solo et tout, donc... Zef. On va un petit peu attendre que tout le monde soit là et tout. Parce que là, Logi est parti. Il revient plus tard. Faut que je regarde bien mes pods, parce que sinon c'est chiant après. Donc ça me fait de l'XP. Tranquillement. C'est assez rapide, mine de rien. Ça me fait des runes, comme ça pour les exos et tout, plus tard, ça va être bien. Tranquillo. Le préfet dit ça sera genre 1997 très bas cette saison. Ouais, en vrai, il y a un monde où je fais un petit rush et je tente de monter ça. Hein. En vrai, une bonne session et ça peut se faire. C'est juste que le problème, c'est que je serais rouillé de fou, quoi. Je serais rouillé de fou. Ça peut être chiant. Youdoudou, comment tu vas? Vinaigrette, je l'ai pas. Je l'ai pas, le vinaigrette. On n'a pas de drop de vinaigrette du tout. Sur la tranche 30. On a drop aucun dofus sur la tranche 30. De toute façon, on s'est forcé. Pour avoir 4 doki. 90, on s'est forcé pour avoir 4 kawettes. Trop important. Et après, on n'a plus rien drop. On a juste eu les dofus qu'on peut acheter, quoi. En gros, tout cela, quoi. Le pourpre, tutu, émeraude et compagnie. Il y a un avec le cut-off de la saison. Je sais pas s'il y est déjà, mais j'imagine. En vrai, j'avoue que je l'ai pas. Faut... Regarde, tape genre cut-off, trade reddit, je sais pas quoi, là. Tu devrais finir par tomber dessus, à mon avis. Ouais, tu peux mettre le lien, Rika. Clairement, si tu l'as. Mais en vrai, je suis assez confiant dans mes drafts actuellement, même en full élémentaire. Enfin, pas full élémentaire, mais pas mal d'élémentaires quand même. Donc je pense que si je reprends, si la méta a pas trop shift, à mon avis, je devrais pouvoir CFG3. Après, c'est de la fin de saison, il y a plein de gens, il y a plein de G3 qui ont arrêté et tout, donc ce sera du G2 contre G2, mais... Ça se fait, franchement, ça se fait. Bon, le seul truc chiant, quand tu drops full item, c'est que tu dois tout briser. Et ça prend du temps, c'est un peu relou. Je pense que tant que c'est pas une tofufu, je vais tout briser, ouais, FF. En vrai, un peu aux F du reste. Parce que Kamasutra et tout, en vrai, ça peut me faire des dégâts pas. C'est pas dégueu. Même s'il y a des trucs qui se vendent à peu près, genre des 4-5 000 U, bon, ça prendra trop de temps. Au pire, je vendrai les gapas, ça me fera des kamas, si vraiment on a besoin de kamas. Je préfère enchaîner, quoi. C'est plus rentable, je pense. Mais ouais, les tofufu, elles se vendent vraiment bien pour le coup. Pourquoi pas en abuse. Il y a tellement d'items à briser. Et ça a été fait genre 20 minutes. Hein. Par contre, ça, je peux pas vraiment briser. On va quand même aller mettre dans le coffre parce que je peux pas viriser, comme ça je me fais pas avoir.
Tout ce qui est un peu sympa, HL, on pourrait servir, on pourrait jouer. Je vais garder. Hop, ça potentiellement, ça on sait jamais, ça on s'en fout. Ok, ça dégage. Le familier, Canister, on peut peut-être s'en servir pour les nids. Jamais, je vais garder tout ça. Ça peut peut-être servir. Tout ce qui est un peu HL. Ça c'est OZEF. Les gars, la vague elle commence quand? Bientôt non? C'est laquelle qu'on fait? Ça va bientôt commencer, ouais. La C'est la 180? 180, ouais. Ah bah j'ai l'impression que je suis là où il faut. Montagne basse des crackleurs. Montagne basse des crackleurs. C'est quoi ça? C'est à moins 5,8 là, tu vois. Ah mais je sais, montagne des crackleurs, ça s'appelle pas montagne basse. Ah oui? Ok. Ça doit être ça, mais... C'est un des seuls où tu peux farm coller un zap, c'est vrai aussi. Comme la théorie Pokémon avec Sacha, c'est jamais arrivé. Vous êtes fous, je peux vous retrouver les screens où il y a plein de gens. Regardez rien T'as que... plus de Simosaur jusqu'à la fin de saison? Si, je vais peut-être en refaire. Peut-être en refaire, je sais pas, ça va dépendre. Ça dépend du temporis en fait. À quel point on le trace ou pas. Donner à drop Julian? Sérieux? Donner à drop Julian? Mais incroyable! Iwatrox, quand tu as? GG à lui. GG à lui, putain. Ah, Julian, ça. Wow. Ah, il est bien. Hein. Avec Tianlang, Julian, Nikki et compagnie. Ah, pas sur son compte! Ah, pour l'Omar! Ok. Mais heureusement que Komen, il est pas là. Je pourrais pas lui dire. Atrox. Il est pas là, il est pas là. Dégâts qui drop pour l'Omar. Ok, d'accord. Et du coup, sur la chaîne de. Je vois, je vois. Ok, zone corrompue. Dans 5 minutes. Comment on va encore à la montagne des cracks là? Montagne basse, j'avoue que je sais pas où c'est. Si on va pas là. Tu veux aller à quelle zone du coup pour le 180? Et puis en fait tout ce qui est gobelin, bourg, Ouais, machin là. montagne crack, c'est parfait. Zap du map, moins 5, moins 8, mec. On y va par le moins 2-0 ou par Farabrak Nid ça? T'as pas le zap? Je peux te TP corne si tu veux. Ah, je suis chaud. Je t'invite. Vas-y. VK, invité groupe. Ah, attends, je vais t'inviter, est-ce que VK. je suis avec Kokomen? Allez, vas-y. Je vais vous TP. Oh my god, le monde, bande de bâtards. Bande de bâtards, on est que deux. Pas souvent dans les commentaires personnels, parce que maintenant, c'est souvent temporis. Ou c'est une vieille rumeur. Qu'est-ce qu'il raconte, Mao? Avoir de quoi monter un perso niveau 180? Oui, c'est si tu finis le temporis, Mao. Si tu finis temporis complètement, ils te fileront une potion d'XP pour serveur officiel. Peut-être pas 180, mais c'est tu vas pouvoir monter genre 150, 160, quoi. De zéro. Et je pense que cette map elle est incroyable là où on est pile poil. T'es prêt pour la TP? Ouais, je suis prêt. Mais je sais pas s'il y a deux, on va pouvoir gérer. Hein. Ah! Parce que je sais pas où il est, Coco. Coco il regarde le match, mais il a dit qu'il arrivait. Ok. On peut regarde tenter, cette hein. map. Normalement, on est dans la montagne des crackleurs. La map est incroyable. J'avoue. Je voulais retrouver les screens, je vous aurai le chat. On peut Et tenter, Coco, hein. ça serait bien qu'il pop, ouais. Je vais prendre le zap aussi, d'ailleurs. Donner en PLS total fort. Ah ouais. Come on. Normal, hein. 5,8, Coco. Après, c'est cool pour l'Omar, Vous c'est entendez? cool. Ouais. Yobel, quand Pourquoi? tu as. Snozo qui est pas fort? Non. Allô? Ouais. Allô? Moins 5, moins 8. Moins 8. Ben, oui. Pourquoi tu vas aller là-bas? Là, c'est Parce la qu'il fait zone. l'invasion et la map est cool et c'est le zap, c'est chill. Normalement ça pop ici.
T'as l'info si montagne des crackleurs, c'est la même chose que montagne basse des crackleurs? Il y a une vraie diff. Je sais pas. C'est bizarre ça. Bon, on va savoir tout de suite dès que ça commence. Hein. J'imagine. Hein. 150 a débuté, mais c'est bon, c'est pas la nôtre. Attention, est-ce que ça pop sur cette map du coup? C'est parti au VK. Juste là. Attention, là 180. Une qui est basse, ouais. Il y a une différence? C'est où? Montagne basse, c'est où? Du coup, vous savez? Il faut aller en dessous à côté de 2.0. Pourquoi les marches, Coco, ils en sont où? Ils viennent de marquer la Suisse 3. Ah 3, oui, ok. Suisse, dernière minute. Anosa, en fait, c'est en dessous de moins 2.0, la montagne basse. À côté du campement et tout. Ah oui, donc on part de quoi? Moins 1.13? Moins 2.0. Et tu descends. Okay. Et là, on est en montagne basse. Vas-y, faut trouver une map. Ouais, faut trouver une map ici. Ici, c'est pas dingue. Oh, la map full cac là. Ça pue ici. Je sais pas si c'est aggro ces trucs là. Ah ouais, c'est aggro, fichier. La map là pue la merde. Ouais. Choper. Vite, on a quoi? On a une minute. La map là est trop grande. Après, on a les boosts PO et tout. Ça peut être safe comme map là. Moins 2-3, mais un peu grand. La merde. C'est de la merde. Merde, des boires. Ah, c'est trop loin ici. Trop loin aussi, ça. Vite, avant que ça coupe partout. Elles sont nulles, les maps. Hein. Ouais, faudrait peut-être aller dans le campement carrément. C'est campement Bourg, sinon. Ouais, Gobelin, Bourg et Village Bourg. Ça va me passer en corrompu, ok. Ok, bah vas-y. Par contre, je sais même pas où on fait pour. C'est la map Transporteur Brigandin. Pour entrer dedans. Map Transporteur Brigandin. Détour un peu. Okay. En fait, de moins 1.13, ce sera peut-être plus rapide. C'est une tercelle sur ta map. Ouais, flemme. Hein. Vraiment, je le laisse à qui veut. Aucun soutien, on vous le laisse. C'est quoi? Ah, la map là est bien, les gars. Moins 1.8. Parfait. Vas-y, on voit une petite corde. Vous êtes prêts? Vous avez peut-être bougé? Ouais, c'est bon, je suis prêt. Ah putain, je peux pas, 145 secondes. Mais prenez moins 1.13, c'est pas loin, ou moins 2.0, vous continuez à descendre. C'est pile la map du Brigandin. Ah, j'ai pas moins 1.13, sa mère. Moins 2.0. Map du Brigandin. Mais moins 2.0, décale un peu à droite avant de descendre, sinon tu vas prendre toutes les agros. Longe pas les crackleurs, quoi. Mais pourquoi c'est complètement débordé? Comment ça, 31 et j'ai 21 ans? Là, je suis au. Alors, c'était une longue histoire. Mais t'as toute la montagne basse qui est aggro, donc t'as toute la zone quand tu descends là, qui est aggro. Mais les mobs sont hardcore. T'avais pas les boss. On a jamais tapé les boss en dehors, non, trop chiant. Trop chiant les deux boss. Regarde cette map, VK. Ah ouais, elle est bien. Elle est parfaite. Regarde cette belle map. Me pète en écoutant. Tu kiffes ou quoi? Ah, elle est parfaite. Ah putain, mais je t'ai mute. Ouais, elle est pas mal. Elle est incroyable. Ouais. Ah, moi je parle dans le vent. Hein. Répondre au fou du. Et voilà, premier match de la Suisse, c'est gagné, merci à tous, au revoir. Ok. Vas-y, on tente, hein. Ouais, mais on attend Coco. C'est pas Coco, je suis là. Il est là. Ah ouais, tu sur la map? Oui. Live React, la Belgique ou OZEF? Non, je vais les regarder avec des potes. Si on passe pas le groupe de 5, on passera pas. Bon sport, Trimmer. Ah bah ça c'est. Buff, Abraclair. Grosse analyse. Familier dommage ou Vita? Moi j'ai mis 80 fois. Il est tellement big la Breakler. Il fait vraiment peur. Et je veux mon up, please. Ouais, je vais mettre. Allez, on bourrine. Tchal 1. Bah les deux. Ouais. C'est un focus ou c'est un. Ouais, c'est un tué. On a envie de le focus, je pense. C'est une bonne chose, des fois le focus. Ritras en série Dark? Ouais, je pense que tu peux faire des trucs à base de. Avec des Miyang, avec des Clara, avec des Carcano, des trucs comme ça aussi. C'est ok. C'est très bien. De toute façon, là, les Chals ratés comptent pas. Même sans lead. On attend le retour de Logi pour que ça compte. On les fait juste par. Voilà, histoire de bien XP quand même. On a quoi à drop ici qui va nous intéresser, vous pensez, dans cette zone? J'ai potentiellement ma cap late game. Si je chope la. Je me tâte entre la Capitaine Flamme. Moi, c'est.
Je sais pas si on peut dans une sandale Kimbo, mais je pense pas. Ah ouais, sandale circulaire, 181, non? 170? Je sais pas. Quel level c'est, les sandales Kimbo? Ah si, peut-être le masque vaudou. Ah, les masques vaudou. Tu le vends en 200, ça. Il se passe quoi, Zang? Le haut, le terre. Ouais, je pense. En dommage, frère. La dingue que c'est. C'est vrai que 30 dollars. Ah oui. Ah oui, il multiplie les dégâts par 3, le... La braqueur clair. Ouais, bref, faut qu'on le fume vite. Mais il va pas faire. C'est bon, il est mort. Moi, c'est lui le kill à faire. Là, j'ai fait un kill, il y a 5 mobs. Tranquille. Par contre, on prend cher. Hein. Hein ça va. Après, c'était 180, c'est normal. Hein. Non, mais je veux dire, quand il met son buff là, radical, là où je sais pas quoi. Ouais, faut ouais. Vraiment l'utiliser le plus possible. Ça a une chance de te soigner en vrai. Donc... Ouais, c'est vrai. Cher, mais. C'est vrai, c'est vrai. Je laisse la mopette. Hein. Ouais. T'as déjà tué un mob, toi, Coco? Je tape bien. Ouais, ouais. J'ai tué le rat. C'était pas une avoc? Le rat? Non, je sais pas. Oui, j'avoue que. Je suis malade. Bon, je suis invocatrice qui invoque le rat là. Je suis invocatrice qui invoque des rats. Pas une chance. Hein. On a tout fini, c'est bon? Ouais, ouais. Allez. Bol brûlé. Le pote là-bas. Le niveau 5, ça va donner tellement de damage. Très bien de te voir jouer à Dofus, le procureur du tête, ça fait effet ou pas? Non, en vrai, ça faisait un petit moment que je me tâtais à le faire ou pas. Et c'était le meilleur moment pour le faire. C'est un gros mob, ouais, c'est ça, clairement. S'il finit par le mettre pour sur un giga mob, c'est sûr. Ah, monsieur! Écoutez rien. Bah ouais? 100 000, t'avais le 3. What the fuck? Oh, nice. Mystique, tu engages. Enfin, les deux, je pense. Ouais, ouais. Ils ont démoli le. Ah, on peut pas démolir le. La Brackler, du coup. Ok. Quoi Ah, oui, la Brackler. Là, le bitouf aérien, s'il prend le buff, il est one shot, je pense. En vrai, au pire, on fait juste Mystique tranquille. Oui, au pire. On va voir ce qu'il fait. Il a rien fait là. Avant que le Radicef soit un truc. Et c'est la braque née sombre qu'il a. Ok. Bah à la rigueur on peut limite tuer la braque née sombre alors. Oh oui ça, je pense que ça va se faire. Hein. On va... Drop Doki, GG, oui tu vas pouvoir décoller. En tranche 90 maintenant. Iche. Aïe. Aïe. Iche. Ah bah c'est marrant. C'est marrant putain. C'est marrant. Ouais c'est ça marrant. Sent la flèche d'un cul. Des mobs qui tapent au cac, ras le PO. On sait jamais, hein. En vrai, Poulet, il a pas une petite attaque distance? Non. Ok, il s'en fout. Et il s'en fout. Il sent pas les couilles. Le G, il est parti où déjà? Au veto? Oui. Ouais. Oh, bah super. Ah, ça, tu le chopes, non? Ah, c'est chaud. C'est relou. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est. Ah, le heal. Sans le heal, je pense que c'était bon. Bon, je peux quand même l'avoir, mais ça me nique tout mon tour, quoi. Bah ouais, mais faut le tuer en premier dans tous les cas. Sinon, on fait mystique. Et basta. On est tranquille, fume-le. Double en grimpé, c'est ça? Ouais. Bon, t'auras quand même une recop, ça, ok. Tu me fumes ce bitouf là. Défonce-le, je t'en supplie. Bon. On va à Coco plus le tuer. Triste le recop. Il est bon, on récupère. Guette bien la puissance du Xalan. J'ai eu le problème, mec, que j'étais chez moi pour tempo 4. J'ai pu y jouer 15 heures par jour pendant 2 mois, meilleur moment de ma vie. Pendant 2 mois 15 heures par jour. J'ai encore vu des gens de chat qui m'ont dit, mais Xalan, les gars, je pense qu'il jouait pendant moins de 10 jours, moi. Je pense pas qu'il jouait plus de 10 jours, 15 heures par jour, clairement. Sachant que j'ai une panneau bas level. Hein. Oui, c'est vrai que t'es en A. Encore. Tu changes les items un par un là ou le bonus panneau il est vraiment intéressant. Ou tu peux te permettre de changer les items un par un. C'est force haut, je peux pas trouver rien de mieux. C'est vrai. En fait les items seuls sont déjà forts. Donc quand t'auras le bonus. C'est vrai.
Bah en fait j'ai pas 1300 de stats, j'ai genre 1100 de stats contre vous, 1300, mais j'ai quand même 100 dommages. Pendant Covid, masse joueur. Non, ouais, ça va. Ok, ok. Pourquoi pas hein. Bah nos chevelus, ça va t'intéresser. Non, petit chevelu 2. Ah, t'as pas joué ça? Ouais, dommage. Vas-y, viens. VK. Y'a pas le truc rejoindre, c'est dommage. Après, c'est pas du... J'ai pitié. C'est pas du rétro, quoi. Oh, zéro tchol. On torche, ouais. Ouais. C'est millions d'XP par combat, quand même, hein. La guilde, elle en est où? Ah, mais non, mais on n'exploite jamais la guilde, du coup. Ouais, non. Si on arrive à monter 180 et qu'on passe pas les donjons, mais... Je suis par Kissi, je suis abattu. Kissi, il a pas dormi, non? On avait 30 levels d'avance hier. Le CPA à la branche. Attends, y'a un cascar? Ah. T'es poussé, toi, le Noza? C'est VK? Ouais, c'est moi. Ah ouais, mais bon, faut le sauver, mec. Bah, Destin, ça marche? Ah oui, ça marche. Ouais, mais Destin... J'en sors deux, quoi. Ouais. Aïe. Bah, je te pète la gueule, hein, et tu perds les PM en plus, hein. Mais au moins, je meurs pas, quoi. Au moins, il meurt pas, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il était aux œufs maintenant? Ouais, ça me... En 3 tours, il fait rien. Réfléchir. Enfin, le corrompu, cascar gauche, je sais pas, hein. Il le fait tous les tours. Hein. C'est vrai qu'on sait pas trop ce qu'il fait le cascar corrompu. Ça peut être la petite surprise. Oh, le focus, hein. On a même bien dormi. Ah ouais? Ah, c'est Orsama, ils sont en route pour nous fumer. En plus, t'es avec Kissi, visiblement, vous avez déjà passé les donjons. Ah, vous êtes pas encore passé les donjons 150. Ah, c'est mon tout premier tempo, mais j'avoue que je kiffe de fou. Mais c'est très PVE, je pense. Même si peut-être qu'il y aura peut-être du PVP plus tard. Mais je pense pas le faire. Fait les donjons et qui sera bien ce soir. Moi, je veux vraiment juste passer les donjons là. Et j'aurai fini mon tempo, je pense. Nous, aujourd'hui, c'est gros. Je pense dès le moment où on finit les 200, moi, je suis content. Honnêtement. On verra. C'est avec le drop de fou. Ouais, en vrai, c'est marrant. Et il faut que ce soit rapide parce que sinon. Je pense pas que t'aies envie vraiment de passer 2-3 mois sur un tempo. Parce que tu sais que c'est une progression que tu fais qu'une fois qui sert entre guillemets à rien, quoi. Ce qui peut peut-être être un petit peu décourageant. Pas une dinguerie. En gros, que ton récup, peu importe la base qui est en face. Ouais, mais le truc, c'est que le top cash, il se booste. Chaque crit, il se booste vraiment beaucoup sur 2 tours cumulables. Il faut juste qu'il crit un peu, quoi. Il peut vraiment monter à 700-800 pour 3 PA sur des combats comme ça. Prendre l'habitude. Mais il faut que chaque crit, quoi. Et c'est reparti pour full soigner la Arachnid. Yo. T'as fini. T'as tout fini sur version office, fait rien fait. Je pense plus. Moi je vous laisse parce que c'est vrai. Bah oui, c'est ça. C'est vrai. Si t'as déjà tout fini. J'avoue que, ouais, genre si t'as des quêtes et tout à faire. Moi j'aime pas dans le game. Je trouve ça un peu démotivant de se dire que tu fais des quêtes et que dans 2-3 mois, dans tous les cas, ce perso, bah il existe plus, quoi, tu vois. Capitaine Flamme, Caprin, Voile d'encre, on verra ce qui tombe en T3 là en premier. Je sais pas. Normalement les dégâts vont monter là. C'est chiant hein, sans les vulnés du panda là. Pète les couilles, y'a pas que là. On est équipe de 4 hein. Ouais. Non mais la soignante. Si je la râle pas un tour, elle fait 4 soins. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est quelqu'un. Bah ça va là. T'as fait le DDG sur tempo. Waouh, le DDG total. Genre les grosses quêtes et tout. Ou des trucs facilités comme sur touch. Ah, le fou DDG, waouh. Dommage. T'es chaud. Ouais, elle est morte. Oui, elle est morte, 100%. Ça va peut être intéressant, ça. Oh, il y a des. Ah, c'est au cas où.
que je dois transi ou pas. Voilà. Feu haut pour un genre un full haut. Pour un full haut, ouais. Pour un full haut. D'accord. Mais ouais, j'enregistre très vite mon. La full haut, c'est du sous-bois, tot. Ah, okay. Mais le seul moyen d'avoir la tot, c'est ici. Ah oui, genre en full. La sous-bois, c'est facile de l'avoir, mais la tot, y a que ici que je peux l'avoir. Vous avez vendu vos items tot? Ouais. Moi, j'en ai pas trop payé du tout. Putain, y'a encore une branche de merde là. Peut-être qu'ils sont encore HDV les Tyrannosa, non? J'ai tout baissé mes prix, tout est vendu. Ce matin, là tout à l'heure, pendant les montages et tout, j'ai bossé un peu ça. C'est parti de l'ambiance, l'instant entre potes et du coup certains restent presque jusqu'à la fin. Ah ouais? Ok, ok. Moi j'avoue que je suis pas un streamer d'Offus. Du coup, je peux pas trop me permettre, entre guillemets, de rester jusqu'à la fin. Ou en tout cas, de faire du 15 heures par jour. Je sais bien que les gens ils achètent pas un item à plus de 50. Mais je vois. Je vois. Forcément giga méta. Sérieux, de me baiser mon tour comme ça là? Pas besoin de caméra. Ouais, là je suis bien là. J'avoue qu'il est bien chiant, je peux pas le tacler du coup. C'est 150 le level up des sorts ou 151? 51. Oh. Et 150 c'est les Dofus. Déjà ça me rappelle ça. Ils te veulent, hein. T'as trop envie. Ouais, il veut. Mais je pense que je vais voir le dunk en vrai. C'est beau jeu. Tant pis si je perds de la J, je gagne trop de res et d'intel. Et les dommages, et le PO et tout. Je vais voir. Tu vas voir le dunk? Ouais, le voile, ça tombe trop de fou. Je vais probablement voir le dunk aussi. Les res sont trop importantes, ouais. Bah, toi, sur Crafeu, t'es obligé. Ouais, ça, feu terre, c'est trop bien. Terre, feu, PO, t'as tout. Et toi, c'est Waldank obligatoire. Ouais, il n'y a même pas de débat. Le problème, c'est que je pense qu'il faut... on est obligé de faire du Krala pour le drop. Bonne question. Ou... Non, il y a. Fungus aussi. Grob. Ouais. Au pire, à 4, je pense que les Grobs, ça se fait vite. C'est juste qu'on les faisait à 2, du coup. Ils ont fait quoi protéines pour dropper tout leur panneau? Moi je croyais pas que c'était long, je sais pas pourquoi tu trouvais ça. Bah, c'était 5-6 minutes de combat, il y avait full Mao et tout. En fait on a pris les bons groupes aussi pour être moins rapide. Au fur et à mesure on aurait des groupes où on aurait été obligé de taper des sérieux, tu vois. Ouais. Il y a quoi à drop là-bas? Bah tous les items de sang. Ah ouais? Sur les items de panneau quoi. Ok. Donc, tout ce qui est... voile d'encre... Qui... Non je lance pas trop mes runs. De temps en temps j'y pense mais là je lance pas non. Rien ne drop. Comment ça, rien de drop, c'est très bas les taux. Surtout si je suis en stream et tout. C'est bugué. Ils ont dû enlever les trucs alors. Parce que sur le site Rouchou, ils disent qu'on peut les drop. 5 heures de combat. Ah, mais c'est peut-être. En fait, je pense que le site c'est basé sur l'ancien temporis, non? Rouchouer. Je sais pas, depuis le début, c'est assez fiable quand même. En 5 heures de combat, aucun drop en double chal, Illy avec étoile. Illy? Je viens de drop Siri Dark, ah, la défaite est faite. Bah, j'ai. Incroyable! T'en as parlé juste avant en plus. Ouais, je stack un peu, j'avoue. Je devrais limite lancer mon truc, mais j'avoue que le stream plus. Si on peut pas drop les items easy, super. Ça fait beaucoup en vrai. Je suis dans la merde, moi. Oui, vas-y, je le lance vite fait. Ouais, vous avez raison. Bon, ça va être débugué, je pense, d'ici à ce qu'on y arrive. On a le temps, on passe toute la tranche en 80 et tout, mais. Histoire nous-mêmes. J'avais perdu. Ah, t'as vu, il y a un Xelor Melou. Oui. J'aime bien le beau jeu. Ils ont piqué nos coups. Ils ont piqué notre map. Oui. Par contre, c'est un peu plus chiant. Ils ont pris le contrôle. La map ultime. Bon, on s'en sort bien à 3 en vrai quand même. Ouais, ils sont tous bien stuff, hein. J'ai l'impression qu'on s'est fait tellement rattraper en un jour. Bah, c'est vraiment facile hein, le cap hein, avec les serrures. Ouais, je suis d'accord. Oh, putain, il a, ah, le mec, il s'est fait aggro, il a eu trop de chat. Il a voulu se déplacer et le gros a spawn quoi. Scandaleux. Xel en melou T3. Quatre solo, c'est aussi simple à trier. Ouais, dans tous les cas, je me dis que si j'utilise mon énergie, il n'y a rien de perdu. On vient de poser un Nénutroph en c'est l'avantage. On pense qu'ils vont tous venir. Non, le perso focus, c'est de louper un challenge. Ouais, exactement. C'est ça le problème.
Big Zen, c'est que sur des boss du même nom. Ouais, ça on sait. Ça on sait. C'est trop chiant. Lance pas en bas, Nozor. C'est quoi ? Lance pas en bas. Pourquoi ? Je suis en train de faire la strat aggro au top. Ok, de toute façon, ça va pas pop les deux en même temps. Ah, bah si. J'ai eu. Deux branches, oh l'enfer. Combat de merde. Du coup, chat pas 6 secondes. On va devoir laisser la branche pour la roquette. Ah non, peut-être pas. Ah si, putain, le jeu entre nous fait chier. On va se faire un petit peu plus. Dans l'autre sens, ça aurait été plus chiant. Tiens, mais je mettais juste une ralentissante sur la branche à vous, elle passe tour. Ouais. Le drop est abyssal. Ah ouais, à ce point ? Ah merde. Parce que pour le coup, pour le serrer et tout, ça a vraiment bien drop. D'accord, c'est rigolo. Puis avec un petit peu de chance, c'est un peu comme ça partout. On espère qu'il y arrive dedans, quoi. Ou quoi? Ah, champ à VR. Ouais, j'ai tenté. Je me suis dit sur un malentendu. Jamais. Crit. J'avoue que Théo, y'a rien à trier, je peux faire ça. Comme ça, je lance mon hard, ça va vite. C'est pas trop dégueu. Ouais, vraiment, tu vois, récop par rapport à top clash sur du feu. Moi, sur le 62% aussi. Ah, c'est quand même un peu beaucoup. Ouais. Salut Chama, comment on va ? Chamalis, t'en es où ? T'as speedrun depuis que t'as passé le donjon ? Ça va du bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Théo a hard. T'as dans le béton, lui. Il essaie de debuff. Tente le crit. Il s'est lancé. Tu vas fumer. Large. Voilà. Il devient. Large, mec. Aise. Level 170 sur ma liste, putain, t'es bien. Il est concentré. Le mec est concentré focus. Ça cogne. Hop. Et c'est quoi qui existe pour savoir quel item drop sur quel mob sur tempo? Ouais, c'est Rush Hour, un truc comme ça. J'ai pas le lien là tout de suite, mais si tu cherches Rush Hour, Dofus, tempo, tu devrais trouver. Genre comme ça. Rush Hour, il y a un site qui s'appelle Rush Hour. Ok. Ça donne envie de claquer le perco quand même. Ah. Doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a ? Perdu lui. Il s'est perdu. Mais ils sont où les boarks ? C'est un skin hein, après. Mini-biotage en... C'est un skin, il est trop stylé, hein. En giga bouffe tout. Genre le mec est niveau genre 192, tu vois. J'aime bien, moi j'aime bien. Ouais. Il cherche les porcs. On se full stuff tes 3 tot pour aller flaquer les 180, je lance. J'en ai rien lancé, pas. Ah non, on en a 5. Chier, on en a 2. Ah chier. Ils en repopent en même temps. T'avais dit Inosa en plus. Ouais, j'essaie d'ouvrir voir s'ils veulent me rejoindre. Ça va être chiant en plus. J'ai un casse cargo là. Un verre casse cargo. Ah, t'es mort. Et ils viennent m'aider. Nice. Big. T'es pas mort. Oups, kick. Ouais, ils ont fait prêt. Vas-y, je kick lui. Speedrun. Ok. Bon, bah, c'est moi qui kill du coup. Ils ont juste à se split en vrai. L'autre groupe, ils allaient un peu avec vous, un peu avec moi. Et... Écoute. Au pire. Oui, oui. Pas les restos du cœur non plus. Tranquille. TP qui lui ? Pour moi ? Pour ma gueule ? Pour le sacri. Que je peux sauver. Aïe ! Je peux sauver le sacri. Ça commence à bien taper un crash, je trouve. Good viré, nos AFF, tu pouvais. Le corne. J'ai pas la corne. J'ai pas la corne, moi. Ah, les cascades, sans panda. J'avoue que je devrais en... Est-ce qu'on peut en acheter une ? C'est combien ? Ah, mais c'est genre en euros, je pense, la corne.
Oh, ça crie, ça crie nos buffs. Quelqu'un quand même. Ok, le 150, ça fait plaisir. Médophus. Oh, ah, non, c'est pas moi. Collier Tot T2. Ça, ça vaut des sous, ça. Ça, ah, c'est bien un mec qui va vouloir mettre des sous, ça va être là-dedans. Collier pas un team player, yes. C'est le chaos qui est sur le côté, tu crois? Pas un team player. Emeraude. Ah, les cornes, on peut en acheter un chuchiton? On peut acheter quoi, ouais, en chuchiton? Les cornes de ralliement. De quoi? Oui, tu peux. Ah oui, pour une utilisation. Ouais. Oui, c'est vrai que maintenant qu'on a plein de jetons, en vrai. Ouais, je devrais. Ça peut être des utilisations uniques. On a fini, nous. Same. Ah, oui. Ah bah oui. On a rien drop. Moi j'ai up 150. Bon, maintenant, le prochain up, c'est le niveau 5. Oh là. J'ai enfin mon petit Dofus plus 20 dommages. Miam, miam, miam. Ah, ils ont eu un collier Tot T2, moi, les mecs. Oh, ah ouais. Mettre bien. Versa à borner, c'est chiant. Ah non, c'est l'un ou l'autre. Hein. Après, on va pas faire les deux, je te le dis. Oh merde, lui. J'espère qu'il fasse pas une dinguerie. S'il le met sur moi, c'est je suis mort. Ouais. S'il le met sur toi, t'es mort aussi, parce que je peux pas te pousser. Ouais. Et re. Ah. Mort. Tu joues au cascade? Pas s'il a des dégâts. Des raisons, ouais. Non, c'est mort. Logis, on est à la map transporteur. Transporteur Bourg. Plutôt cool le cascade Hugo. Sympa comme mob. Sympa. Sympathique. Ouais, un pote. Il reste combien de temps en fait de... Oui, on a le temps, je pense. Hein, pour regarder plus. Ça a été Logis le veto? Ouais. Je devais juste la récupérer là. Ok. Ah, la fameuse buff du cascargo. Ouais. C'est des consommables. Ouais, c'est ça, c'est un consommable usage unique, c'est ça? Ok, ok. Opérer. Au pire, je peux en acheter quelques-unes pour les combat clutch comme ça. Ça peut se faire, ouais. Ouais, je ferai ça comme ça, je pense. Tranquille. Et j'avoue que les cascargo, c'est un peu casse-couille. Vite. Si je relance mon x10. Hop là, très bonne idée ça, de relancer le summon soir. Surtout que j'ai envie de faire une petite summon plus tard. Chale, là. Bon, pas aujourd'hui, bon, mais dans pas trop longtemps. Ah, d'accord. Profite, Nozada, j'arrive. Ouais, j'en profite. Le chat ne compte que quand on est 4. J'en profite. En vrai, ça fait du bien de mourir comme ça. Comme ça, je peux vous répondre et j'ai rien à faire. Que si on avait été 4, j'aurais raté pareil. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. C'était un point free. Genre, oh non, je suis mort, zut alors. Et en fait, je suis en mode prankex. En plus, ils gèrent, tranquille. Ils vont gérer. Oh, bah, il était groupe. Mais cette merde, hein. Comment lui mettre des coups de HZOT. Ah si c'est bon ça critait là. J'ai duré que je l'ai tué, je l'ai fumé en plus. Ça te tape hein franchement. Pourquoi cette ligne mais il y a zéro item là. Vas-y, je vais nourrir le chat au lancement du fight. Quand j'ai fait mon tour. Ah, là sur toi. Dommage. Ça me part. Ok, j'en ai un. Et y a pas un monde où on torche la tranche du dessus? Peut-être. Tu penses? J'ai l'impression qu'il y a pas tant que ça d'items qui nous intéresse dans cette tranche. Vas-y. Genre, faudra qu'on surveille plutôt les autres vagues. Genre, c'est quoi? C'est à Grob en ce moment, 34 minutes. Y'a que 4 groupes. Et on pourra commencer les jetons de 200. Vous voulez qu'on aille tester après le combat? On peut tester. On reste ici pour la vague là, on verra la prochaine. Je vais tester. La tranche, combien de tranches 200, c'est ça? Ouais. Bah y'a les mobs d'Ilizael et tout. Y'a le...
Il y a le mob de Kutan, tu sais, quand il est en ligne, il te fait une ronce agressive qui tape du 3000. Ouais. Ah oui. Un mob comme ça. Je pense que t'es en corrompu, toi, le shot. Donc c'est un mob qui tape en ligne, à distance, qui est one shot. Ok. Stylé. Mais Elisael, on est d'accord que c'est 2.0 à la base, non? Oui, mais là, c'est un autre Elisael version rétro. Ok. C'est vrai que c'est pas du tout le même combat. C'est la même personne. Elle a évolué entre temps. Elle s'est acheté des habits déjà entre temps. Ciri Dark et Shir Vritra, c'est la meilleure DevCatNet, non? Je pense que c'est probablement l'une des meilleures. Mycosine. À 7h. Ouais. Ça peut dépanner si t'en chopes 3, on sait jamais. Bah du coup, Gogrob. Gogrob, vas-y. On avait pris le Zapanda la dernière fois, tu vois qu'on l'avait pris. Oui. Okay. Attends, mais Grob, c'est dans longtemps. C'est maintenant. Ah non, il reste 32 minutes. Bah, si vous avez une corne et une map, n'hésitez pas. Ça manque les montures. Ça manque grave. Il n'y a pas de monture sur ce tampon. Il n'y a jamais de monture. T'as pas le temps. Pour avoir une... En vrai, on pourrait trouver le dragon d'Inde rousse juste pour se déplacer, tu vois. En fait, le temps que tu gagnes. Ouais. À la faire, enfin, je sais même pas si c'est rentable. Ah, il nous faut les il nous faut aussi les feuilles, les fleurs calyptus, enfin un coulos. La montée ouais. Mature. Ouais. Crafter des dragos fesses et tout. Molias. Et il pourrait nous mettre le tabis ou. Ouais, le tabis par contre, ça serait cool. Ou le carnage. Le tabis, ça serait grave bien. Carnage, j'avoue aussi. Carnage, c'est de nouvelles montures qui donnent PA et PM. Oh. Ah. C'est PM Dido et PA 50% de puissance. Ok. Oh ouais, il y a des rois 5 et tout ici. On finit sur l'album de cartes. D'ailleurs, sur ce temporaire, ils ont drop 0 cartes, non? Ah, on n'a pas lancé la quête. Bon, après, en même temps, ça n'a pas grand chose. Je crois même pas qu'il est activé, il n'y a pas le Pokédex. Et ah, si, mais sur quoi comme map? Bah, faut une map où on peut se cacher. Ouais, là faut une map smart. T'as des rois 5, des trucs de fou frère. Ouais. La première est pas dégueu quand même là. Le groupe il est terrifiant. On teste le petit groupe en bas. Le, en bas, le 4 ça se fait non? Ouais, le pendule et tout. Vas-y, vous êtes prêts? Vas-y. Vas-y. J'ai pas rendu au cas où. C'est tout le monde tous là, on est les deux à droite. Demain. Là on peut dropper de la dinguerie. Qui va Coco? On va là. C'est qui j'ai en premier? Coco? Mm. Je vais me faire arracher le cul. Le deuxième, j'attends de bouger. Ok, ils ont mis un chaffeur maudit. Ah, Mama Pendu. Pendu. Vous avez le lui, les Charles, on les skip complet, je pense. On torche. On tente, hein, ouais. Le zombie, c'est sûr, on le fait pas. Ouais. Ah, c'est un Red Krala en plus. La basilique, tiens, ils existaient pas en 1.29 aussi. Juste, c'est jamais sorti à l'époque. Hein? Putain, y a le. Ah, ils existaient, mais c'est jamais sorti. Ok, je vois. Fait méga mal, je vois, je vois. Parce que j'ai fait toute la 1.29 et j'ai. Ouais, je connaissais pas. J'arrive à le pousser direct. Ah, oh, putain, il t'a pas de PO. C'est pas ah, oui. Bah, c'est plus ou moins au cac, quoi, mais. Il te touche, shot. Ok. Non mais faut pas rester, faut rester caché vraiment, la zone de sang c'est plus... C'est fini. On respecte. Et fini la branlette. Ah il y en a mais 1700 là, à 2 PO, 7 PM. Oui il va te légumiser le juge, je le sens. Pour moi? Attends, quoi? Hein? Ouais.
Ok. Ah, transpo. Le sablier transpo. Oh les bâtards. Faut se cacher, mec. Ok. Oh, mais 200 HP. Oh, il est terrifiant le pendule. La zone 200 est terrifiante. Hein. Et encore, parce que là, on tape pas des rois 5 et tout. Hein. J'aime trop. En vrai, ça va bien, ça va donner du choc. Il y a double recons en plus dans le fight là. Il y a double recons, il faut qu'on fume les mamans, on est obligé. Il faut qu'on les hausse. Non, après, on peut essayer de hausse le chauffeur. On lui reste des bordels. Ouais, je suis plus fort, ouais. Vas-y, fume-moi ce chauffeur. Ouais. Je vais mettre un œil de taupe. Après, c'est le pendule pour moi le plus terrifiant, mais. Pour les pendules, quand même, je vais mettre un œil de taupe. Tu peux pousser la mama ? Ouais. Des zones. Ouais. Je vais quand même mettre une punie là. Okay. Ça va faire une grosse zone pour moi là. La punie T1 là, 1000. Ça va ? Ouais. Petit moins 12. Hein. Allez, une recon. Yo René, quand tu as ? Bon, c'est claqué. La forme ou quoi ? Le damage par tour, presque moins 6000. Moins 6%. T'as ras le PO ou pas? Oui. Ouais. Oh, vas-y. C'est zone 200 là. C'est zone 200, ça rigole plus. Et on est 150 environ. 150, 160, 151 ici, 150. Allez, dis-moi que t'as pas la PO. Non, il l'a. Oh, le transpo. Ah, ça va, c'était pas un transpo. C'est le sablier qui transpo, ok. Il a quand même une sacrée PO. Mmh. Malgré le bonus PO. Ouais, c'est... À mon avis, c'est pas modifiable, ça. L'horloge. Ouais. Bah, l'horloge, sur le Xel, elle l'est. Donc... Bah, il a moins 6. Il vient de le faire, genre, à 6. Ouais, non. C'est possible, hein, mais... Oh nice, il a claqué sur elle. Ouais. Oh c'est tellement bien. Le fait qu'il ait claqué sur elle, c'est incroyable. Oh, je vais pouvoir reprendre une méga zone en plus après. Clean. 828 l'explo. À moins 35 le pendule lui prend cher. Je te mets la PO ici je pense. Ouais. Je sens pas qu'on en ait besoin maintenant mais... On va sur la near zone. Allez, PA gratos. C'est des tout petits jacques à la fin. Une fois qu'on est bien placé, c'est ok, mais il faut tanker le premier tour, quoi. Et tu choisir une autre map, hein. Ouais. Tu le chal ou pas ? Je clean. Ouais, bah oui. Non ? Si, avec les sons et tout, c'est trop compliqué. Vu qu'il a deux... Ah ouais, non, c'est chiant, vas-y, tu... Bon, ça va, on gère. Non, j'ai pas de nouvel panneau, les gars. J'ai juste mis un anneau melou tier 3 à la place du blop et H guerrier Z3 aussi. Ah, l'anneau melou, ça peut être pas mal en fait. J'avais pas pensé. Ouais, il est pas mal. Ouais, le mien est comme ça. Après, j'ai pas donne de l'agi aussi. Ouais, mais j'ai pas mis d'agi parce que je m'en fous. Mais... Et de l'initiative, ça peut être pas mal pour que je reprenne le T1. Ouais. Moi, je peux y aller. Il est ok, quoi. 4 en force, ça fait plaisir. Putain, je vois tellement VK dropper son voile d'encre, le petit FM, le petit passage PA 100%. Ah oui. T3, oh là 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 là. Ah, j'avoue. J'aime bien. Voile d'encre, T2 à FM, bonne chance. Hein. Ça va être terrifiant. Ah non, t'es obligé de passer par le T1. Impossible. À moins que t'as un G-perf de base. Grand Genius. Elle fait rien, la mama, normalement. Ah, peut-être qu'elle tape un peu au cac, mais. Vite fait, quoi. Dommage qu'on ait pas fait de chal. On pouvait pas, mais. On en trouvera bien. Je pense qu'au plus on va s'habituer au monstre, au mieux ça ira aussi. Mais déjà, c'est cool qu'on ait first ride le premier fight. Après, il y avait vraiment des mobs simples. Oui. Parce que j'ai vu la gueule de certains monstres, je suis là, ok, ça va être chaud. Ah, et du drop, ça serait cool. Oh, ça va être... Tiens. Là, le groupe de 2, on peut essayer. Ah, le groupe de 2, on fait. Ah, oh, sorcier, je connais pas du tout. Oh, démon, en termes de vita... C'est quoi, sorcier démon ? Je sais pas du tout. Ah, c'est les mobs... Attends. Ouais, c'est ça.
C'est pas lui qui one, qui fait des ronds sacs. Comment on pourrait avoir les PA là? Ici? Ah. Est-ce qu'on peut être au cac de ce truc là? Ah ok, je sais comment. Genre va là, d'accord. Ah. Et moi je vais où? Ah tu restes là. T'as la zone là? Ok. Ah oui, avec les sorties 4. Ah j'avoue. Ah, oui. Ouais j'ai une big zone maintenant. C'est 5 PO. Tromperelle c'est vraiment OZF par contre. En temps de zombies Ouais, zombie c'est chaud. Je crois pas que c'est lui. Est-ce que c'est lui qui... Non je crois pas. Test, on voit. Hein. On voit ce qu'il fait. Hein. Ça part en couille en... Ouais, en vrai, il va pas nous one-shot là. Parce qu'il y a des mobs giga late game. Hein. J'étais en frippé. Ah ouais, il est stylé pour le coup. Le mob. Il a un petit flow. J'aime bien. Ouais, mob cutane. Moi c'est pas lui. C'est celui qui est météorite lui. Oui mais c'est un mob du donjon cutane. Ouais. Mais y'en a pas des donjons cutane des comme ça. Ça c'est un autre mob ça. Sorcier démon c'est nouveau. Bah ouais sorcier démon ça me dit rien le blaze. Bon ça ressemble au mob vert du donjon cutane. Oui, oui. Mais c'est pas celui de la quête je sais pas quoi bizarre là. Sorcier démon. Maintenant. Ah j'arrive. Oh mais BK tu... je crois que tu vas te faire foutre. Ouais désolé attends. Je pense aussi hein. Je pense qu'il faut pas le prendre au cac lui hein. Tu le tues non? Ouais peut-être. Oui je le tue. Marche. Bon est-ce que tu vu ce que tu l'as mis ouais. Ça ira t'inquiète. Ah, j'allais dire, c'est quand que je crit là, je suis 1 sur 2. J'avoue, joue vite. T'as voulu, hein? Allez! Vous êtes des bâtards. Comment ça, on est des bâtards? Allez! S'il te plaît, reviens pas! Ah putain, mais j'avais pas. J'ai pas capté! Ah, j'espère que c'est une excuse de merde. Parce que s'il dit, oh mon chat, il était évanoui, forcément. Allez! Je savais même pas qu'il était pas là, moi. Pour le coup, je l'ai pas fait exprès. Allez, viens ici, dans un 3-3, comme Suisse-France! Comme Suisse-France, tu vois, je vais gagner au penalty. Allez! Oui! A la Melo Macho! Mais il était où? Elle dit je reviens. Enfin. Alors en tous les cas, là même si je passe pas, ça suffit si pas. Hein. Pas, c'est fail. Hein. Non mais on n'a pas passé, on est d'accord. On a dit. On se met d'accord. Hein. On t'a attendu en plus. On dit ça. Vas-y. Carré. Oh. Oh putain, comme du tot. Quel mal. Bonheur, putain. Par contre, du tot, on en dropait dans la zone d'avant, quoi. Donc. On attend du coup. 3-3. J'ai deux clés, crâle amour. Allez, on y va. Trompe, j'espère que c'est rien de grave quand même. Ouais, c'est ça qui serait chiant. J'espère juste pas que c'est un truc grave. Dans ce cas-là, bah, c'est chiant. Ouais. Parce que c'est un truc grave. Mais si c'est pas un truc grave. Il met quand même du temps du coup. Je sais pas. Bah, peut-être que. Je sais pas. Il y a juste un truc qui s'est renversé. Hein. Ça peut être juste ça. Hein. La soupe, tu penses? Je sais rien. La petite soupe. La meuf s'est barré avec deux valises à la main. C'en est trop le temporis. Non vas-y, faut pas curse, faut rien dire les. Trop tard. Au cas où c'est un truc grave, faut rien dire. Trop tard. C'est un peu tard mais. Il a eu un pêche foireux, je pense. Les gars, j'ai dit arrêtez. Tu penses que tu as joué chevelu ou pas, toi? Chevelu, ça peut, ouais. Ça dépend. En fait, je sais pas si je vais switch de stuff ou pas. Tu vois, il fait pas la tâche du tout, là. Pour les fights. Ouais. Je sais pas.
Ah bah chevelu, les stuff 180-200, ils donnent tellement de raids, c'est pour monter jusqu'au 50%. Ouais, ah, d'accord. Faut voir. Et quoi, on fait le groupe de deux en attendant? Vas-y. Y'a un groupe de deux? Ouais, faut tenter. C'est un Sorio? Ah non, ça va, c'est un Mao. Optionnel debuff, donc ça va. Tiens, régage. Je vais le râler PO, lui. Ouais, je m'attendais qu'il fasse plus mal. Ça te dérange si je finis mon tour ici? Non, ça va. Je t'ai pas demandé. Je t'ai pas laissé le tour. Non, ça va. Ah, j'avoue que j'aurais bien kiffé focus le haut, mais on pourra pas. Il va bouger. Non, on peut pas. Mais juste, tu l'auras le PO, il va plus faire grand chose. Tu débuffes direct? Ouais, ouais, débuffes direct. Vas-y. Balance-le. Sur une excuse, genre ma plante est tombée, là c'est deux points direct. Il est parti longtemps quand même, c'est pas genre. Alors ça, si toute la soupe s'est renversée dans la cuisine, ça peut être long, tu vois. J'avoue que c'est long là. C'est bizarre. Bizarre. Je mise sur le PFR quand même. Tank? Le P4E, c'est ce qu'il y a de plus probable. Ouais, je pense que je peux le tanker, ouais. J'aurais pu le prendre. Bon, le top 0. C'était de prendre des dégâts, quoi. Allez, vu le nez, quel kiff. Maintenant, ça fait moins 30. Oh, c'est incroyable. Ouais, il faudrait que je joue en premier et il me faut un anneau initiative. Ça, vous avez tous double vilné. T'as combien de dini là? J'ai perdu un peu de vie. Je suis à 2682 là. Ce qu'il faudrait, c'est la vaudou, mec. Une grosse vaudou R là. Il me faut mon full HP pour pouvoir dire, moi. Je pense que j'étais à 2700. Pas grave. Quelle est ton excuse? Un peu grave, mais je détaillerai pas. Je peux envoyer en DM, quoi. Ok. Vas-y, envoie un DM. Enfin, j'envoie un DM. Parce que... Ouais. J'attends. Le jeu existe encore exactement. Là, c'est un temporis, donc temporairement, il y a des serveurs qui réouvrent. Ils font plein de nouvelles règles. Hein? Donc bon, il y a des priorités, quoi. Ah ouais, ok. Donc c'est annulé. Pourquoi il y avait quoi? Il faudrait le charge comme une merde, je suppose. C'est ça. Ouais, annulé. Vas-y, pardon, vous êtes où du coup? Sur la map? Ouais, on fait un petit combat là, en attendant. Je vous attends. Hop. Ok, c'est grave. Non, ça ira. Mais il faut que je surveille. Possible que je reparte à un moment, mais... Tranquille, je vous dirai. Sort niveau 5, moi j'ai gagné quoi? Odora, c'est quoi? Y a rien de plus? Oh non, c'est triste, c'est juste le délai de relance? Ok. Et j'ai pas envie de tenter le roi 5 là, mais. Vas-y, go avec le crackler là, sur toi au-dessus. Ah. Y'a un groupe de 2. Ah putain, ouais, avec un roi 5. Il faut lui enlever la PO, à lui. Ouais. Bon, cache à vous. Ouais, attends, je me mets devant Odora si tu veux. Bah, de toute façon, je vais retirer PO là. En vrai, si tu mets là, moi j'ai je peux booster PA jusqu'à là. Hein. Mais c'est moi qui joue en premier là, de toute façon. Genre, si vous mettez. Ah. Ok. Quand j'ai toute ma vie, je suis devant, je crois. Ah. Il va te tuer. Il va t'enculer. Non, il va pas me mettre 4000. Je pense qu'il va faire très. Ah. Ça va. Il est bidon sur rétro. Pas effrayant, ouais. Après, à mon avis, sur crit, ça va faire très très mal à l'entre. Ouais, il est quand même pas très effrayant, je trouve. Oui, je suis d'accord. Là, c'est un peu déçu. J'avoue que je m'attendais à plus. Place-toi pour tes mouvements.
Ouais, voilà. Je vais essayer de kick la PO quand même, on s'en bat les au final. Oui, fais-le. Oui, oui, vas-y. En plus, tu vas taper plus fort dessus. Bon, c'est passé, tac, tac. Non, il a moins 300 puissance là. Ça, putain. J'ai pris un malus puissance, moi. Ouais, non, du Roi 5. Ok. Il est pas affiché dans mes trucs. On le détruit là. Vraiment, il aurait dû faire 3 tours au max. Enfin, 2 tours, après, même pas. Il a des grosses fraises, en plus. C'est un Roi 5, c'est pas un boss. Non mais c'est parce que c'est un petit groupe sympa, du coup on s'est dit pourquoi pas. La mutote, vous la jouez? Ou ça va faire des gros choix HDV? On vend, je pense. On a aucun perso qui tape un tel chance. Ça ne sert à rien, je trouve. Non, ça ne m'intéresse pas. Et la MUCM sur VK fera largement le taf. Soit avec le Dofus plus 2 PO, bon. Ok. ne pas retirer de PA. Vas-y, c'est good. Hein. Dead. Ah, PA, putain, je suis ouais. Échappe. Juste tue-le. Ouais, mais j'arrête avec quoi? Il a des malus. Crit. Allez, ça m'est tranquille. Tracleur céleste. Mobilise elle, ça. Ça a aucun style comme bombe. Ça va. Il sert à rien. Ah ouais c'est... Il tape au cac et tout. Il fait quoi ouais, tape... Bon, je crois que c'est, c'est un peu comme un crack normal. Hein. Ok, il lance des cailloux. J'avoue que quand on le fait. Il sert à rien. On le défonce tellement vite qu'on s'en fout, mais... Ok. Putain, stab, ça donne 3 PM maintenant. Ah, c'est pas mal, ça. J'aurais kiffé que stab soit un boost PM en zone. Alors, ça stab la personne, mais en zone autour. Taper les PM. Mais bon. Si j'en train d'abuser, peut-être. Moi, je pense pas. Je pense que le panda, il est assez fort. Attends, mais il y a un bug de résil, hein. Ouais, j'avais vu né. Non, mais il y a un bug. Non, il réduit les dégâts de 100%, je crois, un truc comme ça. Enfin, 100. Il fait un sort qui réduit les dégâts de 100. Cramaudi ? Ouah, c'est du yop, ça. Oh, cramaudi, yop. Il passe tout au cac, hein. Et il bond. Et il fait surtout méga mal au cac. Je pense qu'il faut pas le faire. Je pense que c'est mort. C'est un bait, ce groupe, aussi, ça. C'est clairement un. Le groupe 1000 il est pas mauvais non? Après faut voir, en fait faut réussir à le battre en 1v1 les gars, si à un moment donné on va passer les corrompus il va être là donc... Oui. On va voir mais... Ah oui c'est lui, oh faux. Mais lui c'est, il bon, il te passe tour et il t'encule au cac. Ah ouais. J'espère que tu joues avant lui hein. Bah force à moi. C'est un corrompu ah, surtout okay. Aussi. Mais du coup est-ce qu'il faut le... Il va finir par là, il peut finir là hein, je pense. Non mais là il peut tous nous toucher pour le moment. Surtout qu'il faudrait tuer le crackler avant. Franchement. Oh, le crackler il sert à rien. Ah, c'est pour le tchal bah, ouais, pour le tchal. Lui donne des restes armure. Trimmer. Non mais. Ah ouais, réduction de 100 physique. Donc terre neutre, ça. Loin, non? Comment c'est tempo, mais je suis solo. Il dit d'un bon choix de classe. Sacri, Ossa. Ça te donne. Ils ont mis son bon. Ah, je sais pas, ils l'ont enlevé. Oh, ils l'ont enlevé. Oh. Ils ont enlevé son bon. Peut-être trop fort. Peut-être trop team à tester. Il a dit, les gars. En vrai, c'est possible. C'est possible. Vas-y, fais tipi. Ah, s'ils ont enlevé son bon, il est devenu instantanément à chier. Bah. Peut-être... Ouais. Peut-être qu'ils vont bot et 1. Ouais, peut-être qu'ils vont pas T1. Je crois que si. En Elisa, ils vont T1, non? Ouais. Il le fait en Elisa. Ouais, ProTeam, il a pu tester dans... Il a pu rester dans les locaux un jour de plus, je crois, par rapport à nous, pour vraiment pouvoir tester en profondeur l'équilibrage et tout du jeu. Stylé, en vrai. Et,
Ouais. Ouais, c'est bien qu'ils font appel à des gros joueurs comme ça pour ce genre de truc. Je comprends strictement rien, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Oh, c'est clairement un jeu un peu nostalgique, hein, on va pas se mentir. C'est pour ceux qui ont joué à l'époque, pour ceux qui jouent encore peut-être à Dofus 2.0, tout ça. Qui ont testé d'autres temporis, d'autres rétro. Mmh. Ouais. Et puis je pense que même si tu connais pas trop, tu peux kiffer. Hein, aujourd'hui aussi. Carrément. Ah, mais c'est pas que en contenu, genre le mec est fort, il a une bonne vision et tout. Vous avez des persos HL pour test. Quand tu testes dans les locaux en Kama, en playtest, ils te filent des trucs au préfet, un peu entre guillemets. Tu cours un Yop, tu dis je veux qu'il soit 150, t'as un stuff plus ou moins 150. Ah, t'as vu, il y a le bon. Ah, ok. Et tu passes ton tour avec un du coup. Ah, matraquage. Pas mais si mal par contre. Non, mais ça pète les couilles le passe-tour quand même. Ouais, ça va. En fait, j'avais peur qu'ils mettent des 2000 au cac, tu vois. La bug, la res est bug. Oh non. C'est lui qui fait passer de dégâts. T'as du mal en RTA? La fin de saison c'est toujours difficile. Toujours compliqué fin de saison sur SW. Courage à ceux qui la font. Courage, courage. On n'est pas ensemble. Enfin, je la ferai peut-être. Ouais, je la ferai peut-être. Je la ferai peut-être. Ah, il a bon tous les tours. Oh, c'est bien ce qu'il vient de faire comme toi, non? On a bon tous les temps, ce chien. Faut le... Ah, mais on n'a pas de pesanteur sur le tempo, non? Faut l'entourer et le défoncer, bonne chance. Tu là. Là, vous le tuez. Hein. Ah, je peux jouer. C'est moi qui suis pas tour. Il y a la punie et tout. S'il passe tour qu'une personne, ça va. On va faire avec. Ish. Ish. Allez, tu drops de fou. A, on a pas rien. Trop de chat en drop un peu pour le coup. Je pense que c'est parce que les seuls items qu'on a droppés, c'est du 100. Moi, je pense que c'est fait exprès, il y a peu de drop. Hein. Bah, c'est plus dur à drop, ouais, dans ce. Il y a peu de drop et le taux est plus faible, c'est normal, c'est les derniers items. Hein. Ça peut être corrompu du de ce dernier item, c'est chiant. Ouais. Picro 5. Ouais. Après, j'ai pas l'impression que c'est les derniers items parce que, attends, on a eu du collier tot. Chevelu. Non, mais j'avoue, elles sont où elles? Non, on a eu les mêmes drops que la tranche d'avant pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a du Cutanili du coup? Non, c'est dans le donjon, Cutanili. Tu penses? Je pense. Mais non, parce que les gens ils ont fait du Cutanili, ils ont dit qu'ils ont rien droppé. Non, ils ont farmé pendant 5 heures et ils ont vu aucun Illy. Ou bien ils ont fait Illy, je sais pas, j'ai rien compris. Est-ce que... Je sais pas si t'arrives à retriper que sur le boss, hein. J'ai un tenta. Attends. Échappe. S'il te plaît. Dommage. On peut peut-être faire un touchable hein, si on a un peu de chance. Il tape quand il a je peux la trompelle si c'est PO modifiable. Ouais, je peux la pousser. La trompelle. La trompelle. Je vais la pousser, hein, je vais râler le PO, je vais pousser. Ouais, faut râler le PO. Il essaye plus le chat. Pas mal de temps à grob et un donjon Illy, 3 étoiles, double chal et pas un seul item. Donjon Illy, 3 étoiles, double chal. C'est chiant. Ça vous a pas touché? Bon, je vais faire pour mon stuff. Il a pas de PO. Ouais. Et Protim, il est stuff comment que tu tiens? Faut avoir une idée parce que eux ils ont dû commencer la session de chercher les big items. Ouais. Il y a un bug qui permet de faire les donjons corrompus sans se moduler, je crois. Alors, le Xel qui a fait donjon champ, un tour solo sur mon serveur est vraiment chaud. Ouais, bizarre, j'avoue. Ok. Crit, s'il te plaît, fais-moi une dinguerie. Ouf. Non, mais tout va bien avec ce spell. Hein. Quoi c'est...
Oh, franchement, c'est fine. C'est fine, c'est fine, c'est fine. C'est colère de Yop à travers la map, ouais. Qui régène et qui booste PM. Après, il a moins 80%. Ça va. Non, je sais, mais bon, quoi. Quand même. Oula, un double tchal. Ça va bien drop, non? Wow. J'avoue que là, ça devrait bien XP. Allez, le drop. XP, non. Ouais. C'est des petits groupes. T'as putain. Vraiment zéro item. Rien du tout. Après, c'est des groupes de 2, quoi. Bah oui, mais peut-être qu'on tente le 4. Ouais, 4, on va dedans. Ouais, ça se fait. Je suis l'archer. Ah, archer maudit. Terrifiant. En vrai, on a une zone pour se cacher, ça. La map est assez cool quand on est de ce côté-là. Ah, je suis sûr qu'il a pas de ligne de vue ou un truc du style. Attends, les gars, c'est Coco qui joue avant moi pour les boosts. Non, tu joues en premier, là, moi je vois. Archer maudit en premier, en vrai, c'est bien. On va le focus. Ah, mais il va fuir. Il va pas chercher une ligne de vue avant de fuir. Moi je sens le truc qu'il a pas de ligne de vue là. Est-ce qu'il a une. Non, il a voilà. Il a en vrai, je peux tenter le retrait PO, mais je nique élitiste. Non, viens, on tente élitiste. Hein. On tente élitiste. Bah, les meubles à côté sont. Ah, y'a un pendule. Vas-y. Nique élitiste. Ah ouais? Ouais, tant pis. On fait un accord à c'est vrai. On verra plus tard si on place. Non, tu un... le. Oh non. Je peux pas prendre des moments. Tu veux que je me place comment? Voilà. Que... Elle est restée là. Ah, t'as 4 maintenant? Ok. Bah, j'accepte pas les PA. J'ai crit au moins? Ouais, moins 5 PO. Lourd. J'ai mon permis AP. Ouais, normal, t'inquiète. J'ai mon C1 easy, mais fin de saison c'est chaud, c'est pour ça que j'arrête le live. En fin de saison, y'a plus de plaisir à jouer, un jour j'arriverai au G1. Il reste combien de temps? Ouais. Ah, y'a beaucoup de trucs à faire. Faut essayer de se safe et avant, genre 2 semaines avant limite. Oui, c'est le mieux. Donc on est top 4. Bien. Ouais, même on a genre 8 clés 200 et tout. Ok. On devrait avoir la récompense soon. Le reset donjon est à quelle heure? Le reset donjon c'est à 20h qu'on l'a eu hier. Vu qu'on l'a pas eu ce matin. Et hier c'était à 20h. Salut Draker. Oh, lui il est abominable. Hein. Ouais, il est vraiment casse-couille lui. Ouais, retripé haut sur lui. Hein. Ouais, je vais tout mettre dessus là. Pendule. Bleh. Ok, 40 fragments. En vrai, 40 fragments 200, ça va nous servir. Par sur quoi? Je me suis mis trop tard, c'est tout le temps le problème. C'est vraiment tout le temps le problème. J'avais pas encore fait mon intercepteur, j'ai un rush en ce moment, Trislight ici, Sassima, Tiana. Cette compo, c'est une dinguerie, j'ai toujours pas fait mon interserveur en fait. C'est à quelle heure qu'on ça finit, interserveur? Est-ce que c'est à minuit ou c'est avant J'ai pas encore fait mon interserveur en vrai. Faudrait que je le fasse. Lui qui aura le PO, il pleure. C'est demain 8h? Ok, ça va. Je le ferai après ma session, je pense. Je ferai après ma session tranquillement, ce soir. Ah, bien, déjà le renvoi. Enfoiré. C'est tes derniers tours. On voit que je suis. Le plus chiant, je pense, pour le moment. Vas-y. L'autre, c'est un peu cac, donc ouais. Nickel. Ah. Terrifiant le pendule. Bah, il fait mal, hein? Ouais. Il a son envoi là? Ouais, il a son envoi. Ah ouais. À 16h, donc demain matin 10h, ça va. Ouais, ça va, franchement. J'avais peur ce soir, genre ce soir. Je vais tenter le. Ouais. Parce que j'ai jamais fait mon serveur après aujourd'hui. Du coup, j'avais peur que ça se finisse le samedi, genre. Parce que vu que ça commence le mardi, ça finissait un peu plus tôt aussi. Mais du coup, si c'est demain matin, tranquille. Non. Ah.
Alors. Les gars, là t'es indéfendable, hein. Alors. Ah là, frère. Shit. Bon, les mobs de sang n'est pas essayé de détacle. Ouais. J'achète, là, je l'ai foiré comme il faut. Pour la science, hein. Pour la science. Putain, j'avais une chance sur deux de réussir mon truc, une chance sur deux d'esquiver. Dommage. Dommage. Dommage, 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 dommage. Putain, alors que je faisais juste un top cash tranquille. Ouais, après, tu vois, elle est là aussi, hein, sur le côté. Hein. Pète les couilles. Maintenant, je voulais qu'il bouge, pour créer une zone, quoi. J'accepte. C'est pas moi qui ai raté, c'est le tacle. Oh, fais chier. On commence à parler un peu des tchals. Enfin, des gages. Yo Delantos, merci pour les 14 mois, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. La forme ou quoi? Le retour, le fameux. Faites pas la gueule. On est un petit peu sur du Dofus rétro là, ça avec le Temporis. Je pense que je vais faire ça pendant environ une semaine. Et ensuite on partira. Ouga Lurette. Ok, du Ouga. Voilà nos chevelus. Il y a du Ouga. C'est fini, hein. Relance pas. On n'avait pas, on avait pas déjà eu nos chevelus. Oh, j'ai eu un jet, à part la vita. J'ai parfait sagesse, j'ai parfait puissance. Il manque un dos. J'ai parfait résistance. Okay. Et bah, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu un item au-dessus de level 180. Ouais, un peu décevant, je t'avoue. Véga? Ouais? Quand t'as farmé Fungus, t'as chopé des anneaux chevelus ou quoi? J'ai tout mis en banque, attends, je vais les regarder. Je t'ai fait comme ça, c'est ça? Ouais, un petit truc initiative, tranquille. En fait, j'ai deux anneaux chevelus. Si j'ai 3 anneaux chevelus de T1, j'en fais 9 M1 et je me fais un anneau chevelu T3, je pense. J'ai 2 chevelus là. Ah, parfait. Vas-y, go, bonta, bonta. Anneau chevelu T3? Ouais, anneau chevelu T3, c'est pas mal, non? On a le level? Aux œufs? Bah, je le mettrai quand j'aurai le level, quoi. Vas-y. T'en faut un, ça? En faut 2. Ok, parfait. Vous voulez qu'on tente des donjons du coup? 280? L'anneau de logis. Oh, t'inquiète. Mais juste après quoi? Mais ouais, je suis chaud. Ouais. Attends, je vais voir, je vais passer ma hache saute en T3 vite fait. Ouais, fais-le, mec, moi je l'ai fait. Ouais, j'ai fait T3 aussi. Mais j'avais un G pas ouf. Ouais, la mienne est comme ça. Alors, j'ai ok. La sagesse, est-ce qu'elle est mal, je trouve, dessus? Genre, elle reste bas. Ah ouais? Oh merde, j'ai sagesse de merde que j'ai. 44 sur 75. Mais j'avais un G ok. Et vraiment, ça montait pas, je trouve. Ouais, sur la hache. Ok. Vas-y, je vais voir. Moi, j'ai quasiment un GPR, donc on va voir. 140 000. Je dois mettre 100 000 d'investissement pour. Il fallait le faire en brisage, là, c'est le bordel. T'avais pas de hache d'autres qui traînent par hasard? Non, j'en ai aucune. J'en ai peut-être. Attends, je barre hôtel de vente. Après, j'ai un peu de cam, hein. On peut peut-être en acheter une. Bah, non, mais t'inquiète, j'ai des camas, c'est pas le problème, j'ai 500 000. Ah, ok. C'est ce qu'on peut économiser un petit peu. 100 000 pour ça fait chier. J'en ai 3. Je pense que je suis optif que 199 moi. Moi j'en achète 2 et c'est bon. Ça me revient à 32 000 au lieu de 200 000. Oui, petite merde. Allons fusionner tout ça. En vrai, mon meilleur géno pour l'instant c'est le 30 Intel, non? Tu veux garder Javano? Bah pour l'instant, j'ai un Géano, ouais. Je me dis que quand même le 30 Intel d'un PA, c'est pas dégueu. Au pire, peut-être que je prendrais un blitéré au 179. Bah, ouais, comme tu veux. Dans tous les cas, t'auras rapidement ta rune PA qui va être posée et gagner, récupérer ton PA pour chanter le Géano à ce moment-là. C'est ça. En fait, je peux limite le faire sur l'anneau, comme ça. Ça, je perds pas. Je gagne full stat. Mais il faut juste que je sache exactement quel anneau je prends, quoi. C'est quoi le combo de la panneau? C'est mycosine, chevelu et quoi? Ah, les bottes répanées. Bottes. T'as droppé les bottes répanées, avec un ou pas? Je vais checker. Mais il me semble que répané, on n'a pas droppé, par contre. Il me semble que non. On a rien eu en worker.
Non, j'ai rien. On a eu on a full truc Ouga quoi. Mais du coup, pour les trucs worker, on est obligé d'aller en worker quoi. Ah, mais j'avais un jet 34 sur 35. Ah, mais les gars, c'est bon, hein. Strat Frikama. Hein. On est riche si on veut. Ouais, ouais. Ah, ouais. Frikama infini, je pense. Bah, regarde. Vas-y, montre en temps rétro. J'avoue que ça donne full vite, hein. Ah oui, avec ça. Ah mais, est-ce que ça, ça part? Mais... Bonsoir. Quoi? Réchis un peu. Ah putain, je viens de capter. Ah oui, clean. Ah oui, très cool, très très cool, j'avoue. Ouais, je viens de comprendre. J'avoue que c'est pas dégueu. C'est cheaté, en vrai. C'est vraiment pas dégueu. Pas Yo, Soulou, comment tu vas? J'ai stop SW, mais pareil, je rush temporis. Ah ouais? Incroyable! Trop trop bien! Nul PV d'Araxaz en jeu, elle est insane. C'est quoi sa PV? Y'a quoi dessus? Yo Toxonia! Bien de te revoir un petit peu sur du Dofus. Vous faites quoi en ce moment? Là, on rush. On va commencer à faire les donjons 180, mais ils sont en train de faire des FM. Et en attendant, les FM. Ouais, ça, c'est nos G. Ah, ça comme ça, ouais. Croquer, on n'est pas sur le même serveur. C'est vrai que ça, c'est une sorte qu'on peut faire croquer en soi, il n'y a aucune raison de pas en parler, non? Pas modif, je pense pas. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Stratkama, si vous voulez. Actuellement, il faut quand même être un peu HM. Ah, vous ouais. De partout, les gars. Juste, tu farmes des mobs et tu vends les items. Hein. Tous les items coûtent assez cher, non? Bah, en fait, Zone Fingus, c'est en roadsheet parce que c'est que des items, c'est 5000 U. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, tu farmes la zone Fungus, tu drops et tu vends PNJ. 5000. Bon, c'est pas des millions que tu génères, faut quand même bien farm. Ah, ça va très vite, hein. Genre, on est vraiment masse item à deux avec okay. Le VK. Ah, j'imagine pas une team de 4. Après, y'a pas un monde où ça se vend un petit peu HDV, ce truc-là aussi? Bah, en fait, c'est... si, mais juste là, c'est le Frikama en mode. Ouais, en fait, là, y a personne qui te les achètera. Ouais. En vrai, je vais attendre avant de vendre, on sait jamais qu'on en a besoin. Bah, moi je need que Mycosine et tout. Et enfin, terre et eau, le reste, feu là. Parce que pour le truc. Bah oui, mais feu, justement, peut-être que j'en aurais besoin. Et dans tous les cas, on n'a pas vraiment besoin de Kama pour l'instant, non? À la face de ta chaîne, mou? Bah, je sais pas si je pars full intel. Non, mais tu mouches, c'est à chier qu'on pourrait aller en T3. Ok, ok. Ouais, tu mouches, c'est éclaté. Osef. Ce serait quoi un bon gros stuff intel 199-200 pour moi? La Miko, Gladia, Kutane. Kutane, ouais, Kutane trop fort. Ouais, Kutane, bien sûr. Et Kutane, on est obligé de faire du Kutane du coup. Tous les PNJ, c'est pas moi. C'est le même problème que j'aurais pour la Healy. Mmh. J'ai peur du Kutane. Bon, pas le donjon actuel, on le détruit. Ouais. Et le Kutane corrompu, il va être dur, hein, je pense. Ah bah c'est les derniers donjons. Ouais. Il faut que Kutane, Illy et le donjon, je sais pas quoi, Grob qu'ils ont mis, il faut que ce soit un gros morceau. Faut pas qu'on le fasse en deux travails. J'espère, en tout cas. Après, si on est trop fort, on est trop fort, hein, évidemment. On part sur quoi? Attends, j'ai pas FM les anneaux, là. J'ai ouvert tout ça. Est-ce qu'on respecte avec un familier Vita? Ouais. Juste AJ et initiative. Dofus à la place du. Ah, mais c'est la DC en T2, non? Je crois qu'il est assez chaud. Moi, force et chance, j'en ai pas besoin. Ah, si, force un petit peu, mais. S'en fout s'il y en a pas. Je vais pas le garder longtemps. Sinon, faut que je prenne la meuse, ça coûte cher. Non. Mal, la RTA me tilt et toi? Ah, et la non, fin de saison, c'est dur. Hein. C'est mieux. En fait, ce qui est, en plus de tout, ce que j'ai dit d'habitude par rapport à la RTA en fin de saison, c'est qu'en plus, bah forcément, t'as. Ouais, mais eux, bah t'as le placement quoi, final, forcément qu'il se joue. Et du coup c'est encore plus évident quand tu loses, alors que t'es presque safe ou autre. T'es en mode, si je suis à une game d'être safe, en fait tu full lose derrière. Ouais, ça tilt de fou. Ça tilt de zinzin. Mais bon, c'est comme ça. Vas-y, je t'achète un anomeux. T'es deux. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Être vraiment littéralement à une game d'être giga safe, et là je full lose. Les gars, même le Zot en vrai, j'ai regardé les items Zot, c'est 4000. Ah non, j'en ai fait. Non, je l'ai fait T1. T'as déjà acheté les 3 items? Bah le T1 il coûte 60 000, il coûte très cher.
je l'avais acheté tellement pas cher. T'as besoin de Kama, mais... Je l'avais acheté genre legit. Ouais, mais le T2 c'est 24 000. Ouais, non, je sais. Mais moi j'avais acheté le T1 vraiment pas cher. En fait, on sous-estime la valeur d'un T1 sur lequel on peut FM facilement. Oui, ça coûte cher un T1. Ouais, clairement, un T1 c'est censé avoir un prix. Ouais, mais tu te rappelles au début de J, on était en mode bah si un T2 vaut 30 000, un T1 vaut 10 000. Mais oui, non, en fait. Mais bas level, ouais. Tu sais, C1, ce serait mon record, mais je pourrais C2, je les pense, les 3 avec sac. Au pire, ce que on tu peux pas faire. Mettre sur un over, je crois. C'est tant que t'es safe C1, essaye de vraiment calculer à quel point t'es safe C1. Et si genre t'as 30-40 points d'avance, bah au pire tu te mets cette marge, tu vois. Vraiment t'as le droit au plus 1, non? Genre imagine tu loses une fois, tu prends moins 20 points. Tu sais que si tu relooses, bah t'es plus safe C1, bah t'arrêtes, tu vois, à ce moment-là. Tente jusqu'à être à une game de plus être safe C1, en gros. Comme ça au moins tu te donnes la chance et derrière tu vas pas trop loin non plus, quoi. Si derrière tu t'es plus FC1, là tu vas encore plus tilt. Ouais, tu autres, hein. Ça si en plus c'est ton record actuellement. Yorzia, quand tu as. Le problème c'est qu'il reste 7 jours et 3 heures, je perds des points selon toi et ça fait plus 7 jours. Je pense que ça marche comme ça, ouais. Puis tu brises les items. Mais je pense aussi qu'il y a un truc avec le fait que ça commence à minuit. T'as beaucoup de. Ou à 7h du match, je sais plus, le moment où tu perds tes points. Et que du coup il y a un monde où. Tu peux peut-être moyenner le fait d'avoir plus de 7 jours. Non, je pense qu'on a mais je suis pas sûr à 100% là-dessus, hein. Donc je viserai quand même le 7 jours. Parce que là il reste 7 jours et 3 heures, bah du coup dans 3 heures je ferai une game de plus, quoi. Votre prix est le nôtre, hein, je crois. Ils disent pas au 8ème jour, normalement je suis pas sûr à 100%. Je suis pas sûr à 100%, c'est pour ça que je préfère pas te dire de conneries. Peut-être demander à quelqu'un qui s'y connaît plus. Une cape bouffante vaut 5000 kama, pour ma gueule. Bah ouais frère. Quoi, la T1? La T1 HDV. Mais les gars, enfin, moi ça me choque pas du tout, hein, parce que genre, toutes les nouvelles personnes qui viennent, nous on les farme plus, hein, les items. Ouais, mais de toute façon, honnêtement, je pense pas qu'on ait besoin de cam, hein, pour être honnête. Attention, les gars. Quand on va commencer les exos, ça va partir très très vite, hein. C'est 60 000 les tirs. On sait toujours avoir. Ouais, bah du coup, à ce moment-là, au pire, on le fera, tu vois, mais... Non, mais en fait, là, t'as un item HDV, il vaut genre 200 000, c'est exactement celui que tu veux. Ouais, ça part. T'as envie de cliquer. Ouais. C'est trop bien d'avoir des camas. C'est vrai. Est-ce que je vends mon collier de décès ou il y a un monde. C'est ça logique pour l'instant. Je sais pas exactement ce que tu veux en fait. Le problème c'est l'initiative elle est. Ah non. Oh, mais juste un truc ni. Mais ça va pas passer là. Ah. J'ai fait ça. Oh, c'est bon. Bon. C'est vrai que la harnage, je limite un peu l'acheter par-ci par-là. La harnage, c'est éclaté, hein. T'as CM et mieux, hein. Ah ouais, pour moi, la CM, frère, c'est vraiment une dinguerie. La CM, il y a tellement de stats dessus. Donc je garde CM jusqu'au 200. Pour moi, c'est CM jusqu'à la cutane. Ok. Bon, cutane, il n'y a pas, par contre. Et on l'a vu, s'il y en a en HDV, ça va être bien cher. Ah non, y a pas. Bah ouais, je pense que vu la galère qui passait. Non, je pense que les gens ils vont garder ça. Hein. Oh putain. Vous en avez tout du FM? C'est fini. Enfin, il a fini mon anneau en tout cas. On se fait quoi en donjon premier? Peut-être dans l'ordre du coup, comme d'habitude. Tinril du coup? Tinril, c'est... Je pense que ça va être le plus dur. Tu penses? Je sais pas s'il TP. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Parce qu'en gros, les Tinril peuvent échanger de place entre eux. Ouais. Et s'ils viennent à ton cas, ils te one-shot. Ouais. Et ils ont 4 et ils ont 100% de reste dans... De partout, sauf dans un élément. C'est assez chiant sans retrait PM en tout cas. Vous voyez, on chope les chapeaux du crocodile Dandy là. Oh, je vais me faire une T3 de ça, mec, ça va être une dinguerie. On fait lequel du coup si on fait pas ça?
On peut essayer, mais c'est juste que... Vas-y, moi, vas-y, moi je TP. Cotineril, du coup. Faut qu'on avance. Noza, il est parti, vite fait. Fuck. J'ai qu'une clétinerie par contre. Dans le chat, il y a des joueurs de Bogan qui ont des chapeaux du Crocodile Dandy. Là. Ils étaient 30 000 une à HDV, je les ai achetés, mais. On n'a plus. Il y en a 69 000, mais vas-y, abuse. On est 7. Oh, me manque un mytho crée là. Je sais que tu mens. Thierry, j'ai 4 clés en plus de celles que j'en utilisais. Du coup, au pire, je pourrais t'enfiler. Ah, j'ai pas farm la zone avec vous tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas autant de clés. Tu need Thierry là ? Il en a une, donc ça devrait aller pour l'instant. Ah, je pourrais avoir mes clés. Enfin, c'est les clés. Celle-là, là. C'est pas un post Reddit où il parle de ça ? Si ouais. Oui, j'arrive pas à trouver. Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Au pire, tu tapes sur Reddit. DK, RTA. Genre, si tu tapes ça sur Reddit. Moi, j'ai les clés des derniers donjons là. Stylé. Artefact d'Imizael corrompu. Dans le R, ce meilleur soir, évidemment. Terrifiant. Donjon fou. Sinon, tu vas peut-être tomber sur d'autres choses. Ah, l'amour géant corrompu. Ah putain, et le fameux donjon Grob. J'ai toutes les clés. C'est quoi le J'ai entre les mains la capacité de finir Temporis. C'est quoi le boss du donjon Grob? C'est le Pekigaru. Ah d'accord. Ok, ok. Imagine la salle du boss avec un Pandore, un Tanukui. C'est censé être le boss final. Ouais, on l'a dit, on aura du Pandore, Tanukui, fantôme, plus lui, plus je sais pas quoi. Peut-être qu'il sera tout seul, parce que le Peki est tout seul, je sais pas. Je crois qu'il est pas tout seul. Je sais plus qu'il l'avait testé, mais je crois qu'il est pas tout seul, je suis pas sûr. Il est avec deux mobs. Ah bah s'il y en a deux, c'est peut-être bien Pandore et Tanukui. T'as 6 jours, 23h59, le DK. Et y a pas une histoire de ça à une certaine heure que ça commence le DK? Il me semble que c'est genre un minuit ou un truc comme ça. Et du coup, c'est pas exactement par rapport à ton dernier match 7 jours, tu vois. Il me semble. Je peux dire des conneries. Il me semble que ça m'était déjà arrivé, que j'avais les 7 jours et j'avais pas eu de DK, mais à partir de minuit je l'ai eu, j'ai commencé à l'avoir. Il me semble que c'était minuit. Mais ça a peut-être été changé depuis en plus. Donc je sais pas. Là on va juste attendre Noza, et dès qu'il est là on va tenter le Tinryl. Et en avis, on enchaînera. Je pense pas vraiment qu'on va faire une session XP tout de suite. Et s'il y a un souci, on fera une petite pause. Parce que je pense que Noza a un petit souci qui doit régler IRL. Et selon ça, s'il faut faire une pause, on fera une pause, hein, l'IRL avant, dans tous les cas. À ce moment-là, je ferai une petite pause de stream, à mon avis. J'ai pas joué pendant 7 jours et le DK s'est fait au 8ème, c'est pour ça que ça devrait mieux être précisé, je trouve. Ouais, au pire, dans le pire des cas, honnêtement, juste patiente. Hein. Patiente les 3 heures et fais encore une petite aile, quoi. Dans tous les cas, je pense pas que tu sois safe, si. Moi ça, dans le doute de retaque demain ou même à 7 jours, tu vois. C'est mieux de DK juste un tour, moins un point, c'est pas énorme. C'est pas moins 1, c'est genre un moins 10. 1804, saison dernière, c'était 1801. Ouais, mais ça change pas grand-chose par rapport à son passé.
Parfois il y a des 30-40 points d'écart entre deux saisons. En retard sur Keiju là, je vais me mettre trop bien. Ah j'en ai qu'un de retard moi, mais j'aime bien, en vrai il est cool. T'es sorti aujourd'hui? Tu comptes celui-là? Non, je l'ai pas regardé celui-là justement, mais j'ai regardé celui de la semaine passée. Ah deux ans. Re. Je vais vendre quoi? C'est pas ça. Après, je sais pas, entre 5000 Kama. Entre 5000 Kama, PNJ. Ouais. Et un brisage en runes. Je pense que tu gagnes sur les runes, mais il faut les vendre. C'est ça. Parce que t'as quand même. On a des runes. On en a pas tant que ça non plus, hein, en vrai. Ouais, parce que nous, on a pas beaucoup farm, on a fait que du corrompu. Mais genre, tu farmes un petit peu, t'as beaucoup de runes quand même. Je te vois en fingue, je suis resté full runes. C'est vrai qu'il y a ça. J'ai pas mal de runes hein, pour le coup, moi. T'as quand même une rune PA, d'accord. Une vingtaine. Ok. Ouais, c'est pas une dinguerie non plus, faut qu'on brise des items plus haut niveau, quoi. Genre des amus. Ouais, mais en vrai, la vingtaine, je l'ai fait en pas longtemps. Hein, parce qu'avant, j'avais donné toutes mes runes. J'ai fait quoi 3 allers-retours Rabonta. J'en ai une vingtaine. Mais les items Balleven donnent moins de PA que les items HL. Mais t'en trempes en masse, tu vois. Après, je suis d'accord. On tente le tinerie combu, du coup. Ouais. Ah, ouais, on va découvrir ce que c'est le tinerie. Vas-y, je suis chaud. Il y a deux salles apparemment. Ça va être un morceau. Bon gros morceau. Le PM, combien il a donné, comment ils ont donné.